Hello, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Wingmaster Live numéro 18. Ça fait déjà 18 fois qu'on se retrouve en direct sur Facebook, sur YouTube, avec l'ami GG, l'ami Jérôme qui est là. Salut Jérôme. Salut à tous, salut Seb, et 18 et c'est pas fini. Et 18, et c'est que le début. Voilà, on a changé un peu les horaires, nouveau confinement, le dimanche, avant c'était le samedi, enfin voilà, on essaye d'adapter, et puis il n'y a pas très longtemps, on était loin de la métropole avec Jérôme, on s'est croisé à La Réunion, et on est revenu il n'y a pas très longtemps, enfin Jérôme, toi il y a un petit moment déjà, moi je suis revenu il y a 2 jours, et on est prêt à vous offrir un nouveau live avec plein de questions, une thématique ce soir, Jérôme, que tu as voulu autour du parachute de secours pour démystifier le parachute de secours parce qu'on entend beaucoup de choses sur les décos, sur les atterros, on a vécu des choses. On connaît des gens aussi à La Réunion, on va les saluer, qui ont peut-être sorti leur parachute de secours il n'y a pas très longtemps. Et voilà, on va parler de tout ça ce soir. Sans moquerie. Sans d'ailleurs, moquerie. Tu reviens de La Réunion, tu es encore tout bronzé, quoi. Et attends, 2 jours, regarde, et tu as vu la belle affiche Réunion Wingmaster derrière, hein, surtout, voilà, Et toi, c'est Wingmaster de l'autre côté, c'est Increase Your Skills. Bon, on aura l'occasion d'en reparler aussi, on va faire gagner des affiches ce soir. Et puis, elles sont toujours en vente sur le site de Wingmaster. Vas-y Jérôme, dis-nous, présente-nous un petit peu le programme de la soirée. Ce soir, on va discuter sur le parachute de secours en parapente. Sur deux thèmes, en fait, sur le général, sur le parachute de secours, pourquoi on en met, comment on le choisit, à quoi ça sert. En fait, la manière de pouvoir apprendre à l'utiliser aussi, qui peut être très progressive, etc. Et aussi, après, on abordera en même temps et après des petits outils en préparation mentale, c'est-à-dire comment faire un lien avec l'utilisation du parachute de secours et la préparation mentale. Comment utiliser la préparation mentale pour aborder le parachute de secours en parapente. Et puis, on a utilisé pour démarrer, c'est une vidéo qu'on avait vue là, sur un dernier live qui est assez récente. C'était sur l'utilisation de la tyrolienne pour tester en parachute de secours. Et on avait trouvé cette vidéo assez sympa parce que récente et permettait de bien aborder le parachute de secours. Bon, super, Jérôme, ça nous promet une belle soirée avec plein de questions. On a déjà plein de monde qui est là. Bonjour de Métabief, de l'Ain, de Voisin le Bretonneux, d'Ardèche. On fait le tour de France à chaque fois, de Nyons. Voilà, je ne sais pas s'il y a des Réunionnais qui sont là, il y a 3 heures de décalage. Bonjour de Guyane, excellent. Bonjour du 38, de Paris. C'est excellent, on est hyper contents. Bonjour d'Annecy, c'est les voisins. Bonjour du Calvados. Tu me remets un peu de Calva ? Voilà. Bonjour de Moselle, on a voilà des coucou Crazy Paragliding qui nous dit je vous adore sur YouTube. C'est excellent. On est sur YouTube et à la fois sur Facebook en live et puis en replay aussi. N'hésitez pas à passer le lien une fois qu'on a fait le live pour passer aux gens qui n'ont pas pu voir. On a déjà un témoignage de Cricri Jojo qui dit je peux témoigner d'une ouverture intempestive cet été à la Clusaz, conséquence d'une mauvaise prévol. Après environ 30 minutes de vol sans problème, j'enchaîne quelques wings assez prononcés. Au bout de 3 ou 4 manœuvres, je sens un arrêt brutal et j'entends un fort claquement derrière moi. Je crois qu'il avait préparé sa question. Là, je me retourne et j'aperçois un joli champignon jaune et blanc. Rapidement, les deux voiles se mettent en miroir. Par chance, j'avais pas mal de gaz, plus de 500 mètres sol. J'entreprends ma voile d'affaler, ma Zeno qui ne demandait qu'à voler. Voilà, donc apparemment, il a son secours, c'est où c'est déclenché pendant qu'il était en train de voler. On est direct dans le sujet, Jérôme. Ah oui, donc ok, bon, ben on attaque. Alors voilà, ben, on reviendra après sur un peu le début pour que ce soit progressif, mais on attaque d'entrée, comme d'hab, on aime bien ça. Donc l'ouverture intempestive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ouverture qui n'est pas du tout volontaire et qui peut arriver pour différentes raisons, c'est-à-dire par exemple quand on plie sa sellette et son parapente dans le sac, les frottements sur la poignée, etc., fait que sur des mouvements ou même sur… par exemple, ça peut aussi arriver quelqu'un qui vous file un coup de main au décollage et qui, par inadvertance, va toucher votre poignée s'il y a du vent ou pas et va commencer à faire la sortie du pod. On le voit pas bien parce que le parachute reste toujours dans son conteneur et on vole et puis peut-être que d'autres actions vont faire que ça va le déclencher. Ça peut être traverser un arbuste
petit coucou, arbuste, voire arbre, tout en continuant à voler, petit coucou au Nurshi, parce que le passer à travers un arbre peut tirer sur la poignée de secours, donc on se retrouve en vol, mais avec le parachute qui s'ouvre derrière, donc il y a plein de facteurs extérieurs qui pourraient faire que le parachute s'ouvre de manière intempestive après le décollage ou en vol. Comment remédier à ça? C'est pas très compliqué, c'est-à-dire ça vous demande une routine, c'est-à-dire qu'avant chaque décollage, vous devez vérifier que la poignée est bien placée et que les aiguilles ou l'aiguille ou les joncs soient bien fixés pour que votre conteneur en fait soit bien fermé en fait. Et même sur un frottement quelconque, ça ne puisse pas sortir aussi facilement. Donc, il faut bien faire une vérif avant chaque décollage. Si vous faites une vérif que tous les mois ou tous les 10 vols, etc., vous n'êtes pas à l'abri d'une ouverture intempestive, que ce soit en solo, en biplace, ce que vous voulez. Voilà, donc, vérification systématique avant chaque décollage. Ouais, tu le dis bien dans le chapitre de Wingmaster qui est consacré au secours, hein, et c'est bien souligné par une petite infographie, c'est tu dis il faut le vérifier à chaque fois. C'est vraiment à chaque fois qu'on est au déco et avant tous les décos. Et quand tu regardes la plupart des pilotes, je pense moi le premier, mais maintenant j'ai un parachute ventral, il est devant moi donc je le vérifie, mais on vérifie pas, on vérifie même pas les aiguilles quoi. Ni les gens. Tout à fait, quand tu dis moi le premier, et moi aussi le premier, c'est-à-dire que je dois faire un effort en fait, me forcer à le vérifier systématiquement, puisque c'est la seule action qui me protégera d'une ouverture intempestive. Si j'ai une ouverture intempestive et que je n'ai pas regardé avant, eh ben je ne peux qu'en prendre qu'à moi-même en fait. Donc il faut, c'est ma seule solution, c'est de me forcer, juste avant de mettre la sellette sur le dos, c'est juste quelque chose de visuel, hein. Ça prend pas une minute, ça prend 3 secondes, ça peut être visuel si vous connaissez bien votre matériel, si 2-3 trucs sont bien placés, normalement c'est bon, les aiguilles sont bien mises. Des fois il faut juste soulever un rabat pour voir si le jonc est bien placé dans les 2-3 loops ou 4 loops, ça dépend après des sellettes. Donc il faut une vérification visuelle qui prend 2 secondes, qui prend le même temps que clipser son casque, que clipser sa ventrale, les cuissardes, etc. Donc, c'est un truc qui fait partie de la routine de préparation. Alors, la question, c'est comment ça se fait qu'on peut l'oublier parce que si on l'a fait, normalement, ça pose pas de problème. Le problème, c'est que quand vous vous harnachez, j'ai encore vu ça à La Réunion, là, pendant l'Open de La Réunion, quand il y a beaucoup de monde sur un déco, il y a des potes, il y a tout, il y a des gens qui circulent, il y a du public, etc., ce qui fait qu'il y a plein de distracteurs qui, pendant votre harnachement, qui commencent par mettre la sellette sur les épaules, jusqu'à l'harnachement final du casque, de la radio, etc., plein de distracteurs extérieurs peuvent apparaître et couper votre routine d'harnachement. Et ça, c'est un gros piège. Donc, il faut vraiment porter attention à tous vos points et les faire sans être distrait. Ou si vous êtes distrait, revenir à votre protocole que vous avez mis en place. C'est un protocole qui est personnel, hein. C'est pas... Il y en a qui commencent par là, il y en a d'autres qui préfèrent faire d'abord ça, etc. Il y a des pilotes qui s'isolent pour pouvoir faire ce protocole, d'autres arrivent à le faire au milieu de monde et parce qu'ils arrivent à vraiment se mettre dans une bulle, ça c'est important. Jérôme, on a Guillaume qui nous dit « et prévol du secours aussi après un décollage interrompu avant de redécoller ». Parce qu'effectivement, tu as pu interrompre ton décollage, t'asseoir sur les fesses ou faire bouger ton secours. Tout à fait. Très, 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 très bonne remarque. On rate un gonflage, on glisse dans la pente, on remonte la voile en bouchon, on se réinstalle. C'est sûr que si votre sellette a frotté par terre, même sans incident grave, même... juste rater son gonflage, oui, si le matériel a frotté par terre, si on vous a filé un coup de main, etc., oui, il faudrait prendre le temps de ces quelques secondes pour rechecker, ou à la rigueur, si vous êtes déjà harnaché, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est pilote et qui a les compétences pour regarder votre secours et dire « ok, c'est bon, on le fait très bien, double check en base jump par exemple, comme le parachute est dans l'eau, on est harnaché, on se fait bien vérifier par quelqu'un de l'extérieur ». Voilà. Donc ça, c'est possible aussi, quoi. Au lieu de vous désharnacher, refaire la manip et tout. Et Jérôme, on a la blague du soir de Farf Tagazok qui nous dit « J'espère que le live va durer plus d'une heure parce que sinon, je trouve que c'est court. »
Très bonne, Hey, très elle est bonne. bonne celle-là, on va Voilà, la là, je garder. trouve que ça démarre sur les Et chapeaux de roue, hein. chapeau de roue ce soir. Est-ce que tu veux une autre question ou est-ce que tu veux déjà aborder le premier truc dont tu voulais nous Oui, on parler dans peut. l'ordre? Alors, on peut aborder par le début. Peut-être, j'avais différents thèmes, et on passera assez on passera sur ces thèmes, mais de manière plus ou moins rapide, hein. On verra s'il y a des questions ou pas dessus. La première truc, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un secours en parapente? Oui, le secours fait partie de votre matériel, hein, ça fait partie comme le casque, les gants, etc., de votre matériel de vol. Donc, il vous faut un secours. Ensuite, le choix du secours est extrêmement vaste. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir, on va dire, de la concurrence entre les secours. Il vaut mieux prendre ça, etc. Je vous proposerai des choses un peu plus simples. Déjà, il faut que le secours soit homologué, norme N, c'est-à-dire qu'il va vous garantir une certaine stabilité en pendule une fois qu'il est ouvert sous votre voile, et il va vous garantir un taux de chute minimum d'environ 5 mètres par seconde. C'est le taux de chute minimum pour que ce soit homologué. Et le troisième facteur d'homologation, c'est une résistance suffisante à une ouverture à grande vitesse. Voilà, donc ça, c'est les 3 points. Secours homologué. Deuxième facteur, il faut que vous soyez dans la plage de fourchette de poids. Donc là, je vais rajouter quand même un petit point. On imagine un secours taille small, je vous donne des généralités. Après, il y a des petites nuances, mais qui fait entre 60 et 80 kg de PTV. PTV, c'est-à-dire le poids du pilote, la sellette, la voile et tout, c'est tout l'ensemble. Vous devez être dans la fourchette de poids. Et si vous avez le choix, c'est bien de ne pas être au taquet dans la fourchette haute du parachute de secours. Je pense qu'il est mieux de se placer au milieu, voilà, plutôt qu'en haut, puisqu'en haut, vous allez vous rapprocher pas du meilleur taux de chute, on va dire le taux de chute d'homologation environ à 5 mètres seconde, mais si vous pouvez avoir mieux, c'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, vous pouvez acheter d'occasion un parachute de secours. Il y a pléthore de possibilités d'acheter des parachutes de secours d'occasion. Ça permet de pouvoir l'acheter à un prix abordable, hein, plutôt qu'acheter un parachute neuf. Donc, il vaut mieux avoir un parachute de secours d'occasion que ne pas acheter un neuf parce qu'il est trop cher. Un parachute de secours d'occasion, vous pouvez en avoir de 2, 3, 4 ans, 5 ans. Administrativement, en général, on ne peut pas trop acheter des parachutes au-delà de 10 ans, bien qu'ils soient en très bon état et que ça marche. Pour des parachutes de plus de 10 ans, vous pouvez, pour vous rassurer, si vous voulez, le faire réviser par des contrôleurs. Vous demandez s'ils sont capables, s'ils peuvent vous réviser votre secours, état du tissu, la longueur des suspentes. C'est possible. Sinon, un parachute d'occasion s'achète très bien. Ensuite, le choix va être, est-ce qu'on prend un parachute rond ou un parachute carré? Alors, pour vous rassurer, ceux qui ont des parachutes ronds, ce n'est pas la peine de changer si vous en avez un. Le parachute rond fonctionne très bien. Il y en a encore énormément sur le marché. Des marques continuent aussi à vendre des parachutes ronds. Et depuis quelques années, le parachute carré est arrivé en apportant des améliorations de taux de chute et de stabilité, avec aussi des ouvertures un peu plus rapides. Les cônes, c'est-à-dire la longueur des suspentes sous les parachutes carrés, sont un peu plus courts. Donc tout ça facilite aussi l'ouverture. La rapidité d'ouverture. Donc, ce sont des évolutions, des améliorations. Mais le prix des parachutes de secours a aussi augmenté. Donc, à vous de voir par rapport à vos priorités. Un autre facteur aussi de choix, ça va être le poids du secours. Plus vous allez sur des secours légers, quand on dit des secours ultra light, c'est environ 1 kg pour 100 kg de poids total volant. Donc, ça fait des paquets minuscules. Par contre, un parachute de secours de 1 kg pour un PTV de 100 kg homologué, on est plutôt dans des prix à neuf de 900 €, ce qui est des sommes importantes. Donc, à vous de voir aussi pour certains, et c'est normal, la priorité du budget pour vous équiper. Donc voilà différents facteurs pour pouvoir choisir son matos. Merci Jérôme. Tu Oui. veux une petite question justement sur Oui. le. Là-dessus, tout à fait. Martial demande comment calculer le PTV du secours. Je pense qu'il y a une. Ah ben, On confond tu ça, ouais. calcules pas le PTV du secours. Voilà. C'est-à-dire que quand tu choisis ton secours, il est fourni avec une fourchette de poids, par exemple un médium qui fait 90-110 kg. Toi, il faut que
quand tu mets ton sac de vol sur le dos dans lequel il y a le casque, la voile, la sellette, le parachute de secours, la gourde, tout ce que tu veux, tes appareils, etc. Quand tu montes sur la balance, il faut que ce poids total volant soit dans la fourchette de poids, la fourchette de poids du parachute de secours. Il suffit que tu sois dedans. Voilà, donc c'est pas, tu n'as aucun calcul à faire, tu as juste à vérifier. Donc quand tu achètes un secours, que ce soit d'occasion ou pas, tu dois avoir le modèle, la taille justement pour savoir si tu es bien dedans. Une autre question, Ced qui demande pourquoi un taux de chute minimum? Est-ce que ça serait bien qu'il descende plus doucement? Point d'interrogation. Ah, mais parce que ce sont des critères d'homologation. C'est-à-dire qu'on considère que 5 mètres secondes est le taux de chute maximum qu'on accepte pour un élément de sécurité qui est le parachute de secours. Je crois que sur la norme DHV, en Allemagne, ils acceptent un petit peu plus. Hein, je crois peut-être 6 mètres secondes, etc. Ça, je vous parle de la norme EN. La norme européenne, c'est 5 mètres secondes. On dit, alors oui, je vous ai parlé de taux de chute minimum, c'est le taux de chute maximum accepté, bien sûr. Et maintenant, les secours ne vont pas jusqu'à ce taux de chute maximum, il est inférieur, mais ça, c'est le taux de chute qui permet l'homologation. Si c'est un taux de chute qui est mesuré simplement sur le poids total maxi sous le secours sans la voile, en fait. On regarde juste s'il est stable, ça, c'est le test d'homologation, et son taux de chute pur dans de l'air calme, en fait, son taux de chute en valeur absolue. Et donc, je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que ce taux de chute, c'est bien un critère de matériel, etc. Par contre, dans la réalité, le taux de chute que vous allez obtenir sous votre secours dépend de beaucoup d'autres facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, votre voile qui reste accrochée peut, par exemple, favoriser le taux de chute, puisque ça fait un élément supplémentaire qui va faire de la traînée, donc ça peut améliorer votre taux de chute de descente, le rendre plus faible. Par contre, des éléments aérologiques peuvent rendre le taux de chute plus important. Si vous êtes sous le vent, par exemple, sous le vent d'une montagne, sous le vent d'un relief, le taux de chute peut augmenter. Ensuite, à taux de chute égal, il vaut mieux arriver dans un champ labouré en pente, par exemple, dans une pente, que sur un sol dur, par exemple, à taux de chute égal. Vous voyez qu'il y a des éléments extérieurs qui font que, à taux de chute égal, on peut pas du tout avoir les mêmes conséquences, quoi. D'autres questions encore, Jérôme, toujours sur le choix là, sur le matériel. Yann dit, on m'a dit qu'il fallait le plus grand possible. Est-ce qu'une croyance? Rappelez-vous, attention à on m'a dit. Donc Quand Yann, ça tu commence as. par on m'a dit, c'est pas bon signe. Oui, il faut attention, il faut prendre du recul là-dessus. Donc il faut savoir qui t'a dit, pourquoi, etc. Et puis toi, toujours pareil, savoir qu'est-ce qui va te rassurer, qu'est-ce qui te parle, de quoi tu as besoin en fait. Alors c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est que il faut pas prendre le parachute le plus grand possible parce que il faut être dans la fourchette et on va plutôt éviter d'être dans les hautes fourchettes si vous avez le choix. Si vous n'avez pas le choix, eh ben vous êtes en haute fourchette. C'est comme ça. Hein. C'est pas, on va dire, c'est pas dramatique. C'est aussi homologué. Être en bas de fourchette, c'est pas terrible non plus puisque vous pouvez avoir du retard à l'ouverture. Vous pouvez peut-être avoir plus d'instabilité, etc. Donc il n'y a pas l'un ou l'autre en fait, hein. C'est pas, ça peut être plus nuancé que ça. La question serait, mais là, je ne sais pas, je sais pas si j'ai une réponse précise là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux être en haute fourchette du modèle qu'on te propose, par exemple 98 kg pour 100 kg maxi, ou être à 105 kg pour un PTV minimum de 100 kg? Voilà. Donc à toi de voir avec quoi tu voles. Qu'est-ce qui est important pour toi, etc. Voilà, donc ça, je pense que c'est un choix personnel. Est-ce qu'il faut être, si vous avez le choix, être en haut de la fourchette ou du secours ou en bas, tout en bas de la fourchette, je ne sais pas. Peut-être que je dirais, ça dépend de ma priorité. Je vous donne un exemple. Si je vais voler en montagne avec une orientation de matériel très légère, très peu volumineuse, peut-être que j'accepterai de me mettre en haute fourchette d'un secours pour l'avoir encore plus petit, etc.
en ayant à l'esprit que dans les conditions dans lesquelles je vais voler tout seul et dans de l'air calme, j'ai peu de chances de m'en servir. Donc je peux prendre comme ça. Par contre, si je vais voler en compétition, par exemple, avec du gros matériel, avec etc., peut-être j'accepterais plutôt d'être en bas de fourchette de mon parachute de secours. Voilà. Voilà des idées, mais qui restent très personnelles. Hein. C'est pour ça que je ne dis pas il faut faire ci, faire ça. Je vous donne des pistes pour que vous preniez la main sur votre choix. J'imagine que tu vas répondre à peu près de la même façon sur la question suivante, Jérôme, c'est que penses-tu des parachutes triangulaires et une autre question, des parachutes hexagonaux? Ah, alors la différence entre les deux, c'est qu'un parachute hexagonal, c'est que c'est simplement des parachutes carrés avec des coins coupés, on va dire. C'est-à-dire, en fait, chaque concept après, chaque concepteur va essayer d'avoir, on va dire, le meilleur rendement de son parachute. Donc le hexagonal permet d'avoir une surface projetée, je crois, un petit peu plus grande que le carré. Donc ça va dépendre. Donc vous, votre repère, après, il y a aussi pas mal de marketing dans tout ça. Hein. Il faut pas, tout le monde en est conscient, il n'y a pas de problème. Vous, votre base, c'est de savoir si vous êtes dans la fourchette et que le parachute est homologué, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment votre base de choix. Après, si ça vous parle, tout ce qui est avancé, par exemple sur le parachute hexagonal plutôt que le parachute carré, eh ben, si ça vous plaît, si ça vous rassure, vous pouvez choisir ça. Le parachute triangulaire, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle les ailes Rogallo, qui ont un taux de chute carrément meilleur. C'est-à-dire qu'on peut voler sous une aile Rogallo. Hein, ça va descendre, je ne sais pas, on va dire à environ à 2, 2,5 mètres par seconde, avec un petit peu de finesse, 2, 3 de finesse. Donc c'est carrément un engin volant qui est efficace en général quand on libère sa voile principale. Mais comme en vol libre, on n'a pas le droit de larguer quelque chose, c'est souvent des parachutes dirigeables qui sont utilisés en voltige au-dessus d'un milieu sécurisé, au-dessus d'un lac, ou etc., pour pouvoir, en larguant son parapente, pouvoir avoir le maximum de performance et voir aller venir reposer au sec et choisir son endroit de poser et poser face au vent avec quelque chose qui se dirige. Ensuite, il faut savoir que les ailes, moi j'ai très peu d'expérience avec les ailes Rogallo, on peut aussi les utiliser de manière classique, c'est-à-dire comme un parachute carré ou un parachute rond, c'est-à-dire en non dirigeable en fait, ou dirigeable avec une seule main pour au moins vous mettre face au vent. Dans ce cas-là, c'est bien de pouvoir neutraliser sa voile et de la ramener vers vous pour que les performances de votre parachute de secours soient optimales en fait. Voilà. Et Bertrand nous dit en Donc fait dans les triangulaires, il parlait des plumes de nervure. Je sais pas si tu connais. alors le plume de nervure je connais, mais je ne sais pas s'il est triangulaire ou s'il est dirigeable, c'est-à-dire si une aile Rogallo. C'est ça qu'il faut regarder, j'ai pas en tête, il faudrait que je vérifie derrière. Voilà, moi je vous parle d'aile Rogallo avec deux poignées dirigeables. Donc ça, alors maintenant ils en font des très légers, c'est-à-dire en dessous de 2 kilos maintenant, des ailes Rogallo, etc. Le pliage est plus. Il y a aussi ce facteur à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est vrai, vous avez en valeur absolue plus de performance, mais par contre à l'utilisation, le fait de ne pas larguer la voile, etc., va peut-être limiter l'optimisation ou l'utilisation des performances qui peut en découler. Le pliage est un petit peu plus technique, c'est un petit peu plus volumineux, etc. Donc ça, c'est des facteurs que vous pouvez prendre en choisissant. C'est pour ça, choisir un parachute de secours juste parce qu'il a 2 de finesse ou 3 de finesse, qu'il est dirigeable et tout, à côté, il faut savoir comment on va pouvoir utiliser les performances annoncées, quoi. Merci Jérôme. On a plein de questions sur les attaches pour le secours, sur la position pour se réceptionner au sol, sur voilà plein de choses. Est-ce que tu veux avancer? Oui, Tu veux on répondre aux avance là-dessus et questions? j'aborde ces Voilà. différents thèmes. Sur les différents Donc, thèmes et on a des petites vidéos aussi à regarder oui, qui on va sont regarder sympas. après une vidéo, ça relancera sur des questions et ça répondra aussi à des questions. Donc, le parachute de secours, quel qu'il soit, est dans un pod. Un pod, c'est un premier emballage sur lequel est accrochée la poignée. Ensuite, ce pod, on va le mettre dans un conteneur. Donc, il peut y avoir un conteneur en ventrale, il peut y avoir un conteneur dans le dos de la sellette, il peut y avoir un conteneur en sous-cutale, sous les fesses. Et donc, on va, en fonction de la sellette que vous avez, en fonction de vos priorités, qu'est-ce qui est important pour vous, vous allez choisir
soit un ventral. Alors chaque emplacement aura des avantages et des inconvénients. Votre choix s'orientera vers vos priorités. Je vous donne un exemple de priorité. Si votre priorité... Bah dis donc, il y en a un qui a bloc là. Et c'est sur le secours, il sort le secours. Oui, hein. Il est à fond, quoi. Il est à fond. Et oui, c'est sûr. Si votre priorité, par exemple, est d'avoir une poignée visible et facilement préhensible, le pilote peut s'orienter vers un parachute ventral qui vous avez la poignée qui est devant vous. Si la priorité est que le parachute soit intégré dans votre sellette, peut-être que le ventral sera plus judicieux pour le pilote, hein, c'est des choix personnels, et peut-être qu'un parachute intégré en sous-cutale ou dans le dos répondra à cette priorité. Ensuite, après, des fois, vous n'avez pas le choix. Par exemple, si vous prenez un string, ce qu'on appelle une sellette ultralight en montagne, etc., vous n'avez pas de container. Le container vient à part, donc il ne sera qu'en ventral. Voilà. Ensuite, où attacher son parachute de secours ? C'est-à-dire, quand on dit où attacher son parachute de secours, puisqu'on a vu les différents emplacements des containers, c'est où sont attachés les élévateurs du parachute de secours. Donc, il y a deux possibilités, c'est très simple. Soit, on va dire que 95% ou 90% des élévateurs de secours sont accrochés au niveau des bretelles de la sellette. C'est-à-dire qu'une fois que vous tirez votre secours, vous êtes pendu par les bretelles. Et vous pouvez aussi accrocher votre parachute. Alors là, ça sera sur un conteneur ventral. Vous pouvez accrocher les élévateurs du parachute de secours au même endroit que sur les maillons principaux de votre sellette. L'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de tirer soit main droite, soit main gauche. L'action n'est pas latéralisée. Alors que si vous l'avez accroché aux épaules, avec un parachute sous les fesses ou dans le dos, il faudra choisir le côté ou droite ou gauche pour que le train de sangle, en fait, les sangles, soient dans un compartiment dédié. Donc, il faudra que ça soit ou à droite ou à gauche. Voilà pour comment accrocher le secours, mais je reviendrai s'il y a d'autres questions. Là, je rebondis sur une question, comment on se réceptionne. C'est toujours pareil. Et pardon, Jérôme, juste sur le rangement du secours, évidemment, le chapitre de Wingmaster, tu montres le pliage, tu montres comment on range aussi les élévateurs du secours, les compartiments, etc. Donc, si vous n'avez pas vu Wingmaster encore, vous avez toutes les infos dedans avec un pliage, notamment, mais on en reparlera, extrêmement facile. À mettre en œuvre. Parce qu'une de mes priorités dans Wingmaster, c'était de permettre à un pilote de loisir, donc n'importe quel pilote, d'être autonome sur un pliage de secours. Donc, dédramatiser le pliage de secours pour le faire un peu n'importe où, sur un décollage, chez lui rapidement, etc. Pour pas que ça soit un truc pour lui vu de manière trop compliquée, au point où il ne veuille pas mettre les mains dedans, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça trop dommage parce que le pliage d'un secours, c'est pas très compliqué. Donc, de dédramatiser le pliage, ça vous permet d'aller voir dedans, quoi. Voilà. De vous tester. Un truc là-dessus aussi, c'est-à-dire que là, j'ai vu juste avant, là, je regardais 2-3 vidéos sur les pliages secours et pour vous rassurer, vous pouvez faire des pliages de secours avec des clubs, avec des potes, etc. Ou les faire plier, mais c'est toujours bien, je pense, d'apprendre, de connaître son matos. Sachez qu'avec quand vous achetez un parachute de secours, chaque marque, en fait, propose une vidéo. Maintenant, je crois qu'il y en a pour toutes les marques. Avec chaque modèle, propose un type de pliage. Tous les pliages se ressemblent, hein, il n'y a pas énormément de différence, pour plier votre secours. Et les tutos de pliage sont faits à tel point que ce n'est pas compliqué d'aborder soi-même le pliage, de le faire plusieurs fois chez soi. Il suffit d'avoir un petit peu de place et de s'entraîner à plier. Donc, ces tutos des marques sont faits pour ça. N'hésitez pas à les utiliser. Rassurez-vous en faisant différents pliages comme ça. Il faut vraiment mettre du sien pour faire une grosse connerie sur le pliage, quoi. Et on a Mathieu Labasque qui valide, qui nous salue et qui valide le pliage Wingmaster by Jérôme. Il a dit efficace et rapide. Alors, pour dire à Mathieu, il y a encore plus rapide. On peut faire beaucoup plus rapide en gardant les trois éléments primordiaux. C'est les suspentes tendues démêlées, les caissons sortis et tout le reste, c'est plier rapidement en vrac dans un pod. Ça marche très, très bien. Donc voilà. Donc on peut faire encore plus rapide que ce que je vous propose.
Le truc, c'est que ce que je vous propose vous convienne, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont beaucoup plus méticuleux et qui pensent que qu'avoir un pliage fait au fer à repasser et tout va, pour eux, favoriser tout ce qui est ouverture, etc. Moi, je pense qu'il faut mieux être autonome sur un pliage, même s'il est vite fait, quoi. Voilà. Mais Bertrand de... Pardon, Jérôme, vas-y. comment dire, j'accepte les manières de faire, hein, il n'y a pas de problème. Bertrand nous dit, tu préconises plutôt le pliage avec ou sans élastique de suspente C'est toujours pareil, c'est souvent une question à laquelle j'ai Et répondu dans le Ronald sens, nous dit, oui. lui, enfin, des élastiques toujours, il répond. Donc, Voilà, chacun fait comme il veut. Il faut savoir que je pense que ce n'est pas un élément de sécurité. Par contre, ça peut rassurer d'avoir des loves bien faits avec des élastiques, tout est nickel, au millimètre près, on met ça dedans. Et bien sûr que c'est quelque chose qui est joli, bien plié. Ça marche bien. Après, les élastiques ne sont pas obligatoires parce qu'on peut plier, on peut lover, ça veut dire faire les boucles des suspentes de secours en 8, un peu comme en base jump, on ne met pas d'élastique et ça marche très bien. Donc voilà. Après, moi je me dis, si j'ai une ouverture intempestive où mon secours tombe sur le décollage et que je dois le replier, les élastiques ils sont partis dans la nature au moment où le truc s'est délové et est-ce que je le replie sans élastique ou je ne le replie pas? Parce que pour moi, les élastiques sont indispensables et j'en ai pas dans la poche ni dans ma bagnole. Voilà, juste une petite question comme ça. bon, et Ronald qui remet un peu de l'huile sur le feu, il te répond, plus c'est brouillon, mieux ça s'ouvre. Tu as raison, Jérôme. Alors, c'est pour assurer, c'est-à-dire que bien sûr, je vous donne un exemple. Par exemple, sur des compétitions que je n'ai pas fait en voltige, il arrive que sur un run, un pilote se foute à l'eau. Ouverture de secours ou pas. Donc il faut son matos est trempé, hein. C'est trempé, ça n'a pas le temps de sécher sur un deuxième run ou il sort le secours pour essayer de le sécher dans le vent pour un prochain run ou pour le lendemain. Il y a peu de chances que sur ce laps de temps le secours soit sec, mais il va quand même le replier, mouiller pour faire son prochain run avec le secours mouillé. Voilà, donc ça pose pas plus de problèmes que ça. Ça veut pas dire qu'il faut stocker le matos mouillé, mais pour des questions, les priorités de sécurité, vous pouvez avoir un secours mouillé dans votre sellette. Bon, et il y a justement aussi sur les élastiques, deux commentaires sur attention aux élastiques de mauvaise qualité qui collent aux suspentes du secours et qui sèchent Voilà, tout aussi. à fait. Au bout d'un moment, les élastiques finissent par coller, mais comme ce sont des élastiques, on va dire, très peu résistants, la résistance de ces élastiques ou la colle qu'il va y avoir sur les suspentes est dérisoire par rapport à l'effort que va créer la tension des suspentes du secours. Hein. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça, mais ça vous montre juste que c'est un élément. C'est pour ça que quand vous faites vos repliages de secours, quand vous repliez, c'est ces petits éléments qu'il faut changer régulièrement, les élastiques, l'élastique un petit peu plus gros au niveau du pod, voilà, si ça s'abîme, si c'est détendu, c'est ces petits éléments extérieurs qu'il faut renouveler. Si vous n'en mettez pas, ben vous n'avez rien à renouveler. Et Air Montagne nous dit sur YouTube, regardez la vidéo de Jérôme, c'est bien, mais ça n'apprend pas. J'ai enfin osé pardon, replier mon secours seul grâce à la technique de Jérôme. Et il dit merci. Voilà. Ok, Donc ça super. Et sert à nous, ça. regardez les tutos qui existent par les marques sur les modèles que vous avez, hein, parce que ce que je propose en pliage sur Wingmaster, c'est sur un parachute rond classique pull-down apex. Pour un parachute carré, le pliage, c'est exactement le même protocole en fait. La différence va être que les panneaux sont pas tous à la même longueur vu que c'est un carré, ce qui fait que quand on plie, voilà, c'est pas tout à la même longueur. Il y a des petites nuances, mais globalement, c'est pareil. Voilà. Et donc, suivez les tutos des marques, ça vous donnera la bonne technique carrément liée à votre modèle. Jérôme, on a parlé voilà, des élastiques, du pliage, du pod. Une remarque encore, le ventral, Ronald encore qui nous dit le ventral est moins esthétique mais plus efficace. C'est pareil, c'est toujours personnel en fait. Bien sûr qu'un ventral, c'est pas esthétique. Tout dépendra où tu mets la priorité. Il y a des pilotes qui mettent une grosse priorité on va dire, à l'emballage, à l'esthétique, avoir une belle sellette, la poignée nickel. Pourquoi pas? Voilà, tout dépend où on met la priorité. Les inconvénients du parachute en ventral aussi, c'est que des fois, on peut le laisser. On peut le laisser
en position, le ventral, mais il faut enfiler la sellette. Ça, c'est aussi, ça peut être pénible ou pas confortable à faire. Tout dépend ce qui est prioritaire pour vous. L'autre truc, c'est que quand vous l'avez en ventral, il faut faire attention pendant votre harnachement, c'est bien de mettre le ventral en dernier pour que vous puissiez avoir un visuel sur vos cuissardes. Sinon, le ventral va cacher visuellement vos cuissardes et il faudrait éviter un oubli d'accrochage. Et on a une question, tiens, paraît, voilà, comme ça, comment j'allais dire? Bon, je vais pas la juger. Gad qui nous demande comment on voit la forme de son secours s'il est plié. Est-ce qu'il y a une indication dessus? Ça veut dire qu'il a acheté un secours et qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. Alors, normalement, si tu l'achètes même d'occasion, on devrait dire c'est un carré, c'est un pull-down apex, etc. Si c'est un rond pull-down apex, ça a une forme comme ça, une forme ronde. Si c'est un carré, le haut est beaucoup plus plat comme ça. Et puis, vu du dessus, ça ressemble à un carré ou un hexagone, on en a parlé. Donc, et puis, si tu as le moindre doute, hein, c'est pas compliqué, tu vas dans un champ. En ce moment, même en ce moment, tu peux le faire. Alors, ne le fais pas avec 40 km/h de vent. Hein. Tu le fais avec un petit peu de vent, 5-10 km/h, et tu sors ton secours. Tu vas l'ouvrir, le tenir à la main, et tu vas voir la couleur qu'il a, le trouver joli, la gueule qu'il a, la forme. Voilà, c'est-à-dire prendre contact avec ton matos de sécurité, ce qui n'est pas plus mal aussi. C'est pédagogique. Jérôme, on continue, on avance un petit peu sur. Tu Oui, as je réponds d'autres juste à un choses? truc, une question qui était passée Vas-y. là-bas, c'est comment on se réceptionne sous un secours. Ah ouais, parce que ça, L'idéal, il y a plusieurs oui, questions là-dessus, ouais. l'idéal, si on a le temps, c'est de se mettre debout, puisque ça sera la meilleure posture du pilote pour arriver au sol avec une descente verticale, c'est d'être debout, debout et tonique. Voilà. Parce que le seul truc que je peux vous dire, en sachant qu'on ne choisit pas l'endroit où on va poser sous son secours. Donc autant être tonique quand on arrive pour pouvoir pas obligatoirement chercher à rester debout, mais au moins amortir en étant debout pour ensuite laisser tomber s'il y a un déséquilibre. C'est un peu comme Voilà à ce que je l'armée, peux là, dire. comme on voyait, ou pour Tout à ceux qui fait, ont fait les exactement. prépas Mais para, eux, c'est on arrive en debout, sachant, on se plie voilà, sur les genoux, ça tombe tout plus à fait, vite en sur sachant les. qu'à l'armée, ils sont pendus très haut et ils n'ont pas de sellette. Donc une sellette peut rendre la peau. Il faut faire une action pour se mettre debout. Elle n'est pas obligatoirement automatique. Ou s'il y a un côté automatique avec les attaches aux bretelles, c'est peut-être pas suffisant. Donc il faut vraiment se redresser, avoir une posture. On sait que ça va toucher plus ou moins fort, donc il faut que l'arrivée soit tonique. Et J'allais après, dire un autre truc, tu fais oui. un roulé-boulé, non, tu Oui, le t'en. roulé-boulé, en fait, c'est pas le but, c'est pas de faire un roulé-boulé, c'est s'il y a un déséquilibre, quand on touche, il faut l'accepter, et quand on accepte un déséquilibre avec de la vitesse, ça nous fait faire un roulé-boulé. Il faut l'accepter, en fait, il faut pas résister à ça, en fait. Ça permet d'absorber l'énergie de contact, en fait, d'accepter le déséquilibre et au contraire d'aller dans le sens du déséquilibre. Et on a des vidéos d'ailleurs, on va en voir après, hein, où on voit comment ils atterrissent la plupart du temps. C'est une Voilà. réception, Alors, ça descend vite, mais ça se tout à réceptionne fait. bien. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est que n'oubliez pas que quand l'utilisation d'un parachute de secours en réel, vous choisissez pas non plus la hauteur à laquelle vous tirez. Vous ne choisissez pas non plus si vous allez avoir le temps d'affaler votre voile principale, si vous allez avoir le temps de vous mettre debout, etc. Donc, il y a plein d'autres facteurs qui vont arriver sur lequel vous n'avez peut-être pas le temps d'avoir le contrôle dessus. Hein, donc il faut tenir compte de ça. Donc il y a la position idéale, ça serait d'arriver avec une voile principale, avec le parachute bien au-dessus, une descente très stable dans un beau champ, avec une voile principale très bien neutralisée devant vous et avec une belle posture, etc. Voilà. Mais ça c'est idéal. Il faut essayer d'aller vers ça, mais on s'est pas garanti avant, quoi. Merci Jérôme, on poursuit cette soirée qui est spéciale, vous l'avez compris, sur les parachutes de secours. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci, je vois Judith qui vient d'arriver. Il y en a plein d'autres. Il y a des bonjours de la Réunion aussi, là, ils ne sont pas encore couchés, c'est sympa. Ouais, ils sont assez, c'est des couches tard, on les C'est les connaît. couches tard, c'est bien, c'est Jean-Claude qui est là avec nous. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore Wingmaster et qui sont là avec nous. Sur le site wingmaster.top, vous avez
retrouver toute la masterclass de Jérôme. On aborde notamment sur un chapitre complet le parachute de secours. Jérôme vous montre comment replier de façon rapide un parachute, comme il le disait tout à l'heure, pour être autonome si jamais il s'ouvre au décollage et que vous deviez le replier. Si vous avez le smartphone, vous regardez la vidéo. Et combien de temps d'ailleurs, Jérôme, pour replier un secours? C'est une question qu'on nous a posée sur la vidéo. Alors, c'est assez vite, mais une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Voilà, on peut plier son secours en 15-20 minutes quand on parle juste du pliage secours. En fait, après, il faut peut-être doubler le temps parce qu'il faut, une fois qu'il est dans le pod, c'est-à-dire refixer les élévateurs sur la sellette et refermer le conteneur. Ça prend un peu de temps. Et je rebondirai là-dessus pour dire que souvent, les incidents d'ouverture sont plutôt liés au fait qu'il soit mal mis dans la sellette, le pod tourné pas du bon côté, une poignée mal fixée, etc. Plutôt que sur le pliage en lui-même. On met énormément d'importance au pliage. Moi, je mets de l'importance à ce qui se passe après le pliage parce que c'est pour mal plier un secours, il faut vraiment mettre du sien. Alors, on pourrait dire que le pliage du secours est pas très compliqué, mais on y met une importance et aussi de l'appréhension de manière importante. Et on met moins d'importance quand il est pour le mettre dans la sellette. Et pourtant, c'est là où c'est, pour moi, où peut y arriver les incidents d'ouverture, les mauvaises ouvertures, etc. Et bien voilà, et donc toutes les infos sur le parachute de secours dans un chapitre complet sur wingmaster.top. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur le site, une masterclass qui fait 11h21 épisodes, un habillage entièrement refait là, qui est en cours de rénovation, et puis il y aura bientôt des nouveaux chapitres également. Quelqu'un nous demande d'ailleurs un chapitre sur le fameux pliage encore plus rapide dont tu as parlé tout à l'heure, on pourra peut-être faire ça. Oui. Voilà, et sur wingmaster.top vous avez également nos superbes affiches aussi dont on parlera tout à l'heure, et vous pourrez en gagner quelques-unes, enfin une ou deux ce soir. On va voir ce qu'on met à votre disposition. En tout cas, merci de nous suivre. On a un bonjour de Nouméa là, c'est sympa. Et il y avait tout à l'heure un petit coucou de Salanche, donc moi je réponds que je suis pas très loin de Salanche et puis il y avait aussi dans le sud, du côté de Montpellier. Donc voilà, de Clermont-Lérault exactement. Voilà, c'était des petits coucous. Jérôme, je te propose qu'on passe peut-être une petite vidéo pour détendre un petit peu tout le monde et se marrer, parce que ça se passe sur une tyrolienne, donc c'est plutôt rigolo à voir. On se dit que si c'était dans la vie réelle, ça serait moins drôle. Mais on va regarder ça. Voilà, c'est très je la trouve très bien ce montage, parce que bien sûr c'est rigolo, on se moque pas du tout. Mais ça permet de voir à quoi peut servir des simulations d'incidents et voir le type d'embrouille qui peut arriver, le type d'incident auquel on ne pense même pas. Quoi. Ce que je te propose, c'est qu'on se les regarde un par un. On va regarder tout, puis après on pourra revenir où on les regarde un par un, comme tu veux. On va voir. Ouais. Alors, on a quelques incidents cocasses, comme le titre le dit. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il tire son secours et là, rien quoi. Ça, c'est... il cherche. C'est très bon, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? En plus, ça permet de voir plein de choses. Ça permet de rebondir sur la tyrolienne. Et je rebondis sur une question d'Anthony de Nouvelle-Zélande qui me dit « Oui, j'aimerais bien mettre en place une tyrolienne pour le secours, mais certains pilotes m'ont dit « Non, on ne le fait pas parce que quand on tire le secours, le câble va abîmer le parachute de secours. » Toujours pareil, question de priorité. Moi, je préférerais, si j'ai la possibilité, mettre le cul dans une sellette sur une tyrolienne pour vivre une sortie de parachute de secours, parce que vous allez voir que vous avez vu que le pilote prend de la vitesse, fait vraiment le mouvement d'extraction, lance son secours, c'est tous les gestes qu'on peut faire. Voilà, il a de la vitesse, il tire son secours, donc là, ça lui permet de voir la force qu'il faut fournir et le type de mouvement qu'il faut fournir pour sortir, et ensuite, on lâche tout. Deuxième réponse à Anthony, il faut bien tout lâcher. Hein, d'ailleurs, on voit ses mains reviennent sur les élévateurs au pilote, donc on tire et on lâche tout, et le suspentage se tend, se détend, se délove, et normalement, la détente du suspentage fait que le pod
s'ouvre. Alors là, je pense qu'il y a un mauvais pliage, en fait, mais pas le pliage en lui-même, mais quand il s'est bloqué parce que, ben, on va voir, je ne sais pas si on voit en détail, mais son secours ne sort pas parce que c'est bloqué avec la fermeture du pod. Donc une boucle, peut-être une boucle, un nœud, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mais voilà, donc il s'aperçoit de ça. C'est pour ça que la tyrolienne permet aussi de déceler toutes les embrouilles qui peuvent arriver. Donc, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, excellent. Alors la remets là, celle-là. Oui, là, il a tiré le ventral, mais bah, il s'est rien passé, quoi. Alors on va voir pourquoi. Donc lui, mauvais pliage. Tiens, D'ailleurs, ce il n'est va pas découvrir. sorti. Alors, Et là, rien. Juste. incroyable. Alors là, je n'arrive pas bien à voir. Non, on dirait que le pod. Ah Bah, oui, le j'arrive. pod n'est même pas sorti, on dirait Si, qu'il y a si, où le juste. pod est bloqué dans son dos, quoi. Parce qu'on voit la poignée qui part. Allez, on va se le faire presque image par image, Voilà. mais. Voilà, ralenti là. Donc là. Et non, Ah il oui, tire, il y a non, juste alors oui. il y a Alors, juste le qu'est-ce qui se couvercle. passe là? On dirait que la poignée n'était pas accrochée au pod. Et le pod a l'air d'être resté, parce qu'il a bien la poignée dans la main qui part. Ouais, c'est ça. Et J'ai cette impression. voilà, c'est un truc comme ça. Donc là, c'est pareil. On dirait que la poignée n'a pas été solidarisée sur le secours. Voilà une autre embrouille. Alors là, vous avez vu que cette embrouille, le pliage en lui-même n'est pas remis en cause. Par contre, le fait de le mettre dans le conteneur et de lier la poignée au pod, là, ça lui a posé problème, quoi. Donc ça ne marche pas du tout, son truc, hein. Voilà. Et oui, et il fait une grimace en disant, toujours parachute ventrale, impeccable qu'on voit ça. Ah, là on Tiens, l'a regarde vu, celle c'est très d'avant, puis rapide. tu fais un arrêt sur image, voilà. Et puis voilà. Fais un arrêt n'importe quand. Voilà. Donc, deux trucs importants là-dessus. Donc là, on a bien un parachute ventral avec les deux élévateurs qui sont accrochés au niveau des maillons. Donc là, c'est bien. Le truc, c'est que c'est un secours. Alors, ça lui permet de tirer ou main droite ou main gauche, hein. Donc là, il va tirer main droite. Le parachute en ventral permet de le sortir en un seul mouvement, c'est-à-dire le mouvement qui sort le pod en tirant vers l'avant, plus ensuite vers l'arrière où il lâche tout, ça se fait en un seul mouvement. Alors que les parachutes qui sont sous les fesses ou dans le dos, il faut presque deux mouvements, un mouvement d'extraction, un mouvement de lancer. C'est pas grave, hein, c'est juste une adaptation du mouvement. Et là, voilà, il a une difficulté. C'est pour sortir le pod du conteneur, pour une raison, c'est que le pod qui est assez gros, il arrive en bras tendu et il est encore en action sur les aiguilles. Pourquoi? Parce qu'en bras tendu, tout le conteneur qui n'est pas assez bien fixé ou qui n'est pas fixé du tout au niveau de la ventrale de sa sellette ou de ses cuissardes vient avec lui en fait. Donc il se retrouve en bras tendu avec le secours qui se déplace. Donc il n'a pas une action assez. Il ne peut pas avoir une action assez forte sur les aiguilles. Donc ça, c'est un premier truc. Et sûrement aussi, c'est que les velcros qui tiennent la poignée sont peut-être trop serrés. Alors que si vous êtes sujet à ça, c'est pas très compliqué. On arrive il faut abîmer un petit peu les velcros pour qu'ils soient moins puissants, en fait, parce qu'un velcro, ça tient énormément bien. Alors des fois, on peut mettre un petit coup de briquet dessus. Ça permet à ce que les poils des velcros soient moins gros, donc qu'il y ait moins de tenue, en fait, du velcro sur lui-même. Donc il y a moins d'efforts à fournir pour décrocher la poignée. Hey, regarde Jérôme, exemple, c'est ça le velcro, Voilà, il est là. le velcro qui est là, voilà. Donc là, il se tire bien, mais ça pourrait Voilà, suivant, être très mieux, un quoi. velcro est très résistant quand on le fait travailler comme ça en traction, et il ne résiste moins quand on le fait travailler en arrachement, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le truc, c'est là où tout l'avantage de l'ouverture de secours sur portique ou sur tyrolienne permet, sans savoir comment on va être pendu sous son secours, mais de travailler tout ce qui est extraction. Ça répond à la question d'Anthony. Oui, il faut tout lâcher. Et là, comme il regarde et qu'il tient le truc, eh ben, il ne se passe rien, Il n'a pas puisqu'il n'y a lâché. pas eu de tension sur les suspentes. Donc la tension des suspentes n'a jamais enlevé n'a jamais ouvert le pod, en fait. Voilà. Donc il ne se passe rien. Ça veut dire que là, son pillage est bien fait, hein, plutôt, hein. Puisque quand un pillage est bien fait, on doit pouvoir sortir le pod par la poignée sans qu'il y ait d'ouverture. Parce que ça pourrait vous permettre, par exemple, de dire merde, mais tout rentre dans l'ordre, je remets le secours sur mes jambes et puis je tire pas.
Mais là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? L'ouverture de secours n'est pas réversible. Là, Jérôme, il aurait dû le lâcher, en fait, c'est ça ? Ah oui, voilà, il faut tout lâcher, là. Il faut le lâcher pour que ça s'ouvre, en fait, tout simplement. Exactement. Lui, il pensait qu'il allait garder la poignée et que le parachute allait s'ouvrir. Exactement, peut-être. Non, parce que le poids du pod, de son emballage bleu, le poids fait que ça va mettre en tension et ouvrir, le permettre au secours de sortir de son emballage. Donc là, voilà. Alors vous imaginez une situation. Donc vous avez vu que l'ouverture est extrêmement rapide derrière. Par contre, vous avez vu l'effort à fournir pour sortir son truc. Donc là, sur cette vidéo, on ne sait pas trop pourquoi il a du mal à le sortir. Il peut y avoir plein de raisons. C'est-à-dire la manière d'avoir mis son pod à l'intérieur. Est-ce que la poignée, la distance de la sangle, de la poignée vers le pod n'est pas trop longue, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec une position de bras très levée comme ça, puis là, il ne peut plus avoir d'action dessus. Voilà, et ça, il faut vérifier la fermeture sur sa sellette, la poignée utilisée, etc. C'est ça qu'il faut vérifier, parce que regardez son secours, on ne sait pas comment il est plié, mais dès qu'il a été sorti, il s'est ouvert dans les 3 secondes. Vous avez vu ? Regardez comme ça s'ouvre vite. Et le gars, l'avantage pour qu'une tyrolienne marche, il faut que... Alors peut-être, j'avais jamais vu ça. Le gars fait un tour de main sur sa poignée. Ouais. D'accord. On va voir ce qu'il fait. Ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est-à-dire que... Alors là, c'est... Oui. Ce qui a dû se passer... c'est marrant, ces trucs. Quoi. C'est que il n'y avait pas assez de distance de suspente à l'extérieur du pod. Voilà. Et là, il faut une distance minimum. Tu sais, il y a une petite vidéo avec Pierre-Paul sur Portique. Ouais, ça permet de vérifier ça. Et le gars ne lâche pas non plus. Hein. Il n'a toujours pas lâché, en fait. Il y a ça aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il ne lâche pas non plus. Il secoue. Voilà, et puis il ne lâche pas. Donc, imaginez-vous, c'est pour ça que c'est excellent, cette tyrolienne, parce que ça vous permet de découvrir votre matériel. Ça, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire oui. qu'il fait un mouvement, son premier mouvement fait sortir le pod. Donc là, ça me fait marrer. Ça s'est quand même ouvert, hein, mais... Oui, c'est quand même ouvert. Mais imaginez-vous, quand on est sur une tyrolienne, en fait, on se prépare à faire ça. On sait qu'on va être assis dans la sellette, qu'il faut attendre quelques secondes, qu'il y ait assez de vitesse sur la tyrolienne, environ 30 km/h, sinon le secours ne va pas s'ouvrir. Hein. Ça serait une vitesse plus faible que la vitesse Bravo, ça va mettre beaucoup de temps à s'ouvrir. Et donc, c'est excellent d'avoir cette possibilité, ce simulateur, pour vérifier tout ça, quoi. Bon, moi, celui que je préfère, c'est lui quand même. Hein. Ça, c'est le pompon sur la cerise sur le gâteau. Celui-là, je suis mort de rire à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas. Imagine ceux qui regardent. Et là, il y a tout le secours qui est parti, là. Ouais. À chaque fois, ouais, on peut la remettre plein de fois. Ah ouais, mais c'est improbable, ce truc, Jérôme. C'est le mec qui, s'il est en vol et qu'il lance son secours, il voit son secours partir. Le secours est attaché à rien, en fait. À rien, exactement. Donc... En fait, pense que ça... ça me fait rire. Hein. Ça te fait marrer. Mais il faut se marrer parce que c'est une tyrolienne. Ça serait beaucoup moins marrant une situation réelle. C'est pour ça que les simulateurs, ça répond à la question d'Anthony, il y a quand même une priorité dans tout ce qui est simulation, c'est d'essayer, et on verra après sur un thème un peu préparation mentale par rapport au secours, ça permet d'emmagasiner des expériences et de... vérifier et d'emmagasiner le geste à faire, de ce qu'on va ressentir, etc. Et donc, c'est énorme comme bagage au niveau sécurité pour l'anticiper, etc. Donc, ces simulateurs, il y en a de 3 sortes. Il y a le premier, c'est simplement sur un portique chez vous, avec vos potes pilotes, dans un club, dans une école, etc., d'être pendu dans une portique, harnaché dans votre sellette, et de faire le mouvement de sortie du secours et de le lancer, en fait, juste pour vous imprégner, en fait, de l'effort à fournir, du mouvement à faire par rapport à votre matériel, parce que vous avez vu, là, sur la tyrolienne, il y a au moins 5 sellettes qui sont des positions différentes, hein, donc les mouvements ne sont pas les mêmes. Donc, ça, sur le portique, ça permet ça. Ça permet aussi de remettre votre parachute dans la sellette, de réessayer, de le faire plein de fois. Ensuite, le deuxième simulateur, c'est la tyrolienne. Donc, la tyrolienne,
elle va vous permettre, pareil que le portique, de faire ce mouvement-là. Mais le deuxième truc qui est super intéressant, c'est de sentir quand le parachute va s'ouvrir au bout de 2-3 secondes, la traction derrière vous. Donc, avoir d'emmagasiner cette sensation de force derrière vous qui vous confirme que le parachute est en train de s'ouvrir. C'est pas mal, hein, comme sensation. Donc, on sent cette puissance derrière nous et tout s'arrête en fait. Voilà. La troisième simulation, c'est en milieu sécurisé, donc en stage de simulation d'incident de vol, par exemple, où il y a aussi des stages où on pourrait faire que de l'ouverture de secours avec des montées à 200 mètres sol, à 200 mètres au-dessus de l'eau, ça suffirait. Et là, de vivre la troisième étape, qui est une fois qu'on a fait ce mouvement d'extraction, qu'on a senti la traction du parachute de secours, ensuite se retrouver sous le parachute de secours, donc en descente sous le parachute de secours. Et là, il y a une troisième expérience qui intervient, c'est la neutralisation, la vérification et la neutralisation de sa voile principale. Et le quatrième truc, la posture avant d'arriver en bas. Donc voilà la manière dont vous pouvez expérimenter tout ça, vous entraîner, simuler tout ça pour emmagasiner des expériences, des sensations, des mouvements. Pour être plus à même de bien répondre ou de savoir ce qui peut vous arriver en situation réelle si vous tirez votre parachute de secours. Merci Jérôme. Il y avait une vidéo dont tu parlais là de PPM que tu Ouais, voulais montrer. de Pépé, voilà, et c'est très bien parce que la vidéo est très courte, mais permet de. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est ouverture sur portique, de faire le mouvement avec un parachute ventral. Voilà, là, il fait un premier essai avec un parachute en sous-cutale, avec. Voilà, vous dit, ça montre le mouvement à fournir, hop, et ensuite. On lâche le secours et ça permet aussi de vérifier qu'on puisse bien sortir le secours, voilà, sans qu'il s'ouvre, parce que ça va vous permettre à partir de là de faire une deuxième action, de le lâcher, de le lancer, voire de le ramener sur vous si tout rentre dans l'ordre. Voilà, voilà à quoi ça sert le portique. Et il y a quelqu'un qui pose la question sur pourquoi le faire en deux étapes, l'ouverture du secours? Alors là, la vidéo de Pépé, c'est exactement comme dans Wingmaster, quand là je le fais en réel, c'est fait au ralenti pour que ça puisse être décomposé, pour qu'on comprenne ce qui se passe, le pod qui sort, la poignée, et ensuite on lâche. Pourquoi le faire en deux temps? Parce que c'est pas obligatoire en fait hein, de le faire en deux temps. Par exemple, si vous êtes en ventrale, en un mouvement circulaire, on peut faire extraction et lâcher. Mais même sous les fesses, hein, si, quand vous êtes centrifugé en spirale, en autorotation, etc., le fait de tirer, ce qui est important, c'est de sortir de le container et ensuite vous lâcher, c'est suffisant. Après, on peut le lancer. Voilà. C'est pour vous montrer. Ce n'est pas indispensable. Le lâcher serait dans des configurations très particulière. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment, c'est deux gars, un gars qui arrive au-dessus et qui touche la voile de l'autre, mais comme il est un peu trop bas, je ne sais pas ce qu'il fait, il se met dans le suspentage et les deux sont en train de voler. Celui du dessus est bloqué dans le suspentage de celui du dessous, ils sont comme ça dure quelques minutes et ils finissent par tirer le secours. Là, comme les vitesses de descente et qu'il n'y a pas de rotation et que les vitesses de descente sont très faibles, là, le pilote qui tire son secours peut choisir de le lancer pour le lancer très loin. Comme l'ensemble descend lentement pour le lancer très loin des structures, du parapente, etc. D'ailleurs, Vincent pose la question en te disant, petite précision, en vrai, il faut le jeter fort et loin vers l'horizon, le secours, ne pas le lâcher lamentablement. Oui, c'est ce qu'on voit Alors, sur les... lamentablement non, parce que tout dépend de la configuration. Si tu es en autorotation ou en spirale, tu n'as pas intérêt à le lancer parce que le risque serait que tu le lances en opposition ou en contradiction de la force centrifuge. Et donc, ça pourrait faire un mauvais truc, c'est-à-dire que finalement, tu forces et que tu tapes dans la voile, en fait, que tu lances dans la voile. Ça, c'est le risque en spirale. En autorotation, il y a aussi un risque, c'est que quand on est en autorotation, l'autorotation, c'est quoi? C'est une voile qui est fermée, qui tourne. C'est ceux qui font un peu de voltige, c'est exactement la même position que la SAT, c'est-à-dire que le dos tourne en avant, On va le voir alors qu'en juste après dans spirale, une vidéo d'ailleurs. voilà. Alors qu'en spirale, la face, le visage tourne vers l'avant, on a le vent relatif qui vient dans le visage. Donc là, quand on a le vent en spirale, quand on a le vent relatif qui vient dans le visage, il suffit de tirer et de lâcher. Et la force centrifuge va faire que le secours va s'éloigner de tout.
Si vous êtes en autorotation, le risque, c'est que la voile rattrape le secours. Ça, c'est un risque sur le secours de lancer le secours en autorotation. Mais c'est quand même pas mal de lâcher. Alors pourquoi? À mon avis, c'est que en ayant fait pas mal d'ouvertures de secours, c'est que dans une configuration d'urgence, on va dire, c'est assez difficile de se dire je vais le lancer au bon endroit le plus loin possible. Alors que tirer lâcher, c'est quelque chose de plus facile à faire dans un contexte stressant, d'urgence, pour tirer un parachute de secours. Et des fois, c'est compliqué d'analyser l'endroit où on va le lancer, avec quelle force, quel mouvement, à quel moment. Voilà. Donc, je vais dire, c'est facile d'en parler dans un contexte où on est très préparé, dans un contexte stressant d'urgence. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rajouter ce truc à faire. Justement, je te propose, Jérôme, Oui. de regarder ce qui se passe en autorotation. Là, c'est pareil, un extrait que tu as choisi Voilà, sur un je crois que CIV. c'est lui. Ouais, alors c'est un CIV, hein, c'est en milieu sécurisé, tout est volontaire. Donc fermeture asymétrique, départ en rotation et regardez, voilà, on a bien le dos qui est dans le vent relatif. Il tire son parachute de secours, il finit par le lâcher. Voilà. Et là, je ne sais pas s'il a vraiment lâché ou pas. En tout cas, le parachute s'est éloigné de la structure. Le risque en autoroute, c'est que la voile rattrape son secours. Ensuite, là, le choix du pilote est d'affaler sa voile en faisant plein de tours de frein. Plein de tours de frein autour de ses mains. Pourquoi pas? On voit que ça marche bien. Le truc, c'est que ça demande beaucoup d'action et qu'ensuite, ses mains, avec environ 15 tours de frein autour de ses mains sont bloquées. En fait, il ne peut plus rien faire. Il est bloqué avec ça. C'est pour ça que si on peut, on regarde en plus sa posture. Il est très droit avec la voile neutralisée, avec un parachute très stable au-dessus. C'est idéal. On peut le revoir. Ça, tu le Voilà, montres bien dans fermeture. Wingmaster, on a des Voilà. caméras partout en Tout plus à sur la fait. voile. Où on puisse bien voir. Donc, alors on va revoir c'est cette question, est-ce qu'il lâche ou pas? Voilà, c'est en autorotation, il va chercher son secours, poignée droite, il tire. Voilà, ben lui, il fait deux mouvements là. Il fait un mouvement, il tire, et puis après il le lance dans un deuxième temps, c'est pas indispensable en fait. Il faut juste savoir que le risque en autorotation, c'est que la voile, une fois que le secours est parti, le rattrape. Voilà, vous pouvez regarder des vidéos avec le secours, la voile qui rattrape le secours et ça peut mettre un peu le bazar. Mathieu Et demande si là, c'est pas oui. s'il vaut mieux pas essayer de stabiliser l'autoroute avant de le lancer. Ah ben alors tout dépend de l'objectif de l'exercice. Si Oui. tu arrives à stabiliser ton autoroute, la question se pose, pourquoi tu veux tirer ton secours? Puisque tu tires ton secours parce que l'autoroute ne peut pas être stabilisée. Hein, il faut remettre dans le contexte. Donc, alors, je vais remettre tout dans l'ordre. Là, on est dans une simulation d'ouverture de secours en milieu sécurisé lors d'un stage CIV, encadré, etc., préparé. L'exercice est de faire une autorotation provoquée et de la maintenir. C'est-à-dire, pendant que ça tourne, le gars, là, il maintient son élévateur, sinon la voile aurait tendance à réouvrir toute seule. Donc, il maintient. Pour qu'il ouvre son secours dans cette configuration très inconfortable, pour vérifier que ça marche, pour vérifier ensuite comment il va vivre, là il tient l'élévateur, hein, pour vérifier ensuite comment il va vivre sa descente sous le secours, il arrive dans l'eau, le bateau vient le récupérer. D'accord. Ça, c'est un contexte de simulation. Dans un contexte réel, dans un premier temps, s'il y a de la hauteur, bien sûr, il faudrait essayer d'arrêter une autorotation due à une voile fermée, hein, bien sûr, avec une action commande extérieure. La question, c'est est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu n'es pas trop déboussolé par la rotation pour être capable d'arrêter l'autorotation? Est-ce que tu n'es pas trop bas aussi? Puisque si tu ne sais pas faire et que tu es trop bas, à un moment, tu passes dans une autre priorité qui est éviter d'arriver en autorotation par terre, ça peut faire des dégâts, donc on passe dans un autre truc qui n'est plus le contrôle de l'autorotation, mais bien la priorité bascule sur le secours, et donc on tire son secours. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu pour que ce soit bien clair tout ça. Et dans un stage CIV, on peut aussi apprendre à faire des autorotations provoquées sur un, deux ou trois tours et apprendre à s'en sortir sans tirer son parachute de secours. Mais là, ce n'était pas le but de l'exercice. Jérôme, on a deux questions justement sur comment Benjamin qui dit comment lancer un secours lors d'une autoroute pour éviter l'emmêlage dans les suspentes de la principale. Mais bon, tu viens de Mais l'expliquer, tu hein. peux pas.
tu peux pas le choisir à l'avance, c'est bien ça. N'oubliez pas que faire un truc idéal à l'avance, c'est très compliqué. N'oubliez pas que tirer son parachute de secours en réel, dans une situation réelle où l'objectif du parachute de secours, c'est d'arriver le plus doucement par terre et éviter d'arriver en rotation, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc à un moment donné, on n'est plus sur du pilotage, on est sur il faut sauver les meubles. Donc on bascule sur l'action de tirer son secours. Et quand on bascule sur l'action, eh ben on fait au mieux en fait. On ne peut pas dire il faut faire ci, se mettre comme ça et tout. Ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Hein. Là, on est dans une situation d'urgence. Il faut tirer son secours, le sortir de la sellette et on lâche tout. Et puis voilà. Et on attend. Et Voilà. donc Mathieu qui reprend sur la question précédente où il Oui. disait, il parlait hors exercice en fait, quand tu as une autoroute, effectivement, est-ce que tu Si, voilà, t'essayes de si tu es contrer d'abord? capable, tout à fait, si tu es capable de le contrer, si tu sais faire et si tu as la place, c'est toujours pareil, si tu as du volume, voilà, si tu es à 100 mètres sol, que tu pars à une autoroute ou à 50 mètres sol, ça va être compliqué d'arrêter l'autorotation si tu n'as pas de l'expérience là-dessus. Ouais. Et encore, même avec de l'expérience, peut-être qu'à un moment, il faudra dire je bascule sur autre chose, sinon je vais essayer de contrer quelque chose et je vais arriver au sol en n'ayant pas le résultat de mon action, quoi, ouais. De façon générale, Jérôme, c'est une question que je me pose moi Bien aussi, hein. sûr. Le secours, c'est évidemment le moyen ultime quand tu as tout Tout à essayé, fait. si tu es assez haut pour le sortir, et c'est pas une garantie que tu vas arriver non plus au sol et que ça va pas s'en mêler et Alors, qu'il va tu es sûr sortir. d'arriver au sol, Voilà. tu n'es pas sûr d'arriver dans un champ super meuble Mais en t'es pas dehors sûr des qu'il s'ouvre et obstacles. qu'il se prenne pas en fonction Voilà. de la situation, quoi. Toutes les ouvertures de secours qui se passent dans le monde, etc., ça marche plutôt pas mal. Et bien sûr, on est dans le côté exceptionnel où ça ne marche pas, mais ça marche plutôt très bien, quoi. Ensuite, par rapport à la phrase que tu as dit, Seb, je rajouterai juste une petite nuance, c'est qu'il n'y a pas de hauteur minimum pour tirer son secours. C'est bien de le dire, Ça, ça. on en parlera tout à l'heure sur les croyances, en fait, en préparation mentale. Une croyance qui peut être dans le milieu, c'est de penser qu'en dessous de 50 mètres sol ou en dessous de 100 mètres sol, un parachute de secours ne sert à rien. Ça, c'est une croyance. Et donc, la question, il faut savoir, il faut se demander, le pilote doit se demander, est-ce que cette croyance, est-ce qu'elle va l'aider ou pas l'aider, en fait? Voilà. Parce que si la question, pour contre-argumenter sur cette croyance, ça serait si tu arrives une merde ou un gros incident de vol en dessous de 100 mètres sol, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Est-ce que tu ne tires pas ton secours parce que tu es persuadé que ça ne marche pas ou tu tentes quand même? Bon, il vaut mieux tenter, donc, c'est ta réponse. Ben, je ne sais pas. C'est au pilote de dire quelle est sa réponse. Si sa croyance est de dire qu'en dessous de 100 mètres, ça ne marche pas. Mais toi, tu dis que ça marche. Voilà. Alors, on dit qu'il n'y a pas de hauteur minimum pour tirer son secours. Important de le dire et de le répéter. Eh ben, regardez un exemple très simple, regardez la tyrolienne. Hein. La vitesse, elle est à peu près à 30 km/h là, sur la tyrolienne. Regardez le temps que ça met pour ceux que ça a marché. Vous avez vu, c'est 2-3 secondes, quoi. Même si on descend très fort, même si on est à 40 mètres sol, 2-3 secondes, le secours. Et plus vous tournez vite, plus ça va s'ouvrir encore plus vite. Hein. On est en dessous des 3 secondes sur une ouverture en spirale. Hein. C'est immédiat. Sur tout ça, Jérôme, on a plein de questions sur maintenant on a sorti le secours, comment on affale la voile? Il y a même Patrice qui nous demande comment pour affoler la voile. Lui, il veut affoler la voile. Ah oui, Une petite alors il faute de faut pas frappe. trop l'affoler la voile Ouais, parce c'est que ça. Donc, si on l'affole, elle risque de partir dans tous les sens et le petite risque faute. c'est qu'elle retape C'est dans ça. le secours et qu'elle crée un ensemble pilote secours voile instable. Et le problème de l'instabilité, ça peut être par exemple simplement du pendule et que vous arriviez au sol avec du pendule. Ça peut être la voile qui tape dans le secours. Donc le risque, c'est que le secours n'est pas dans sa forme optimale. Donc ça va avoir des répercussions sur le taux de chute, par exemple, la stabilité, le taux de chute. Donc l'objectif est de neutraliser la voile principale. Ce que je préconise, c'est de tirer sur les élévateurs arrière, les élévateurs qui correspondent, pour ceux qui ont du mal à visualiser, c'est pour ça qu'il faut visualiser ça avant en vol droit quand tout va bien, c'est où sont ces élévateurs arrière, c'est où circulent les freins. Pourquoi? Parce que les mains en général sont assez hautes, donc on a tout de suite une action possible sur les élévateurs arrière si on les a repérés. L'action à faire, elle peut être assez physique, mais en même temps, elle n'est pas sur une très grande longueur comparée
et elle est immédiate en fait. Si on matraque, on dit, il faut vraiment bourriner sur les élévateurs arrière, ça agit tout de suite sur la voile, ça va l'empêcher de voler en fait, donc empêcher l'effet miroir que la voile et le secours se mettent en opposition. On a vu sur la vidéo précédente sur la simulation que lui, le pilote, a choisi d'affaler sa voile en faisant du décrochage avec les freins, en faisant plein de tours de frein, parce que juste avec avec ses bras, en fait, la longueur de ses bras, même en tirant à fond, la voile risque d'être en décrochage très instable et que l'ensemble soit pas sur une descente très stable. Donc, il faut essayer d'avoir le truc le plus stable possible. Donc, on préconise les arrières ou les freins comme ça, mais avec des inconvénients, les freins bloqués. Les mains bloquées autour des 15 tours de frein. Donc pas de d'élévateur B, pas de frein, hein, c'est Alors, ça, c'est ce que tu dis. les B, c'est un truc, oui, dans des situations. Ce n'est pas l'idéal, les B, parce que votre voile peut encore revoler, il faut les maintenir en permanence, il y a de la tension, tout ça. Il vaut mieux passer sur les arrières maintenant. Alors, si on dira sur les B, on a eu le message du pilote qui volait avec la Zeno. La Zeno n'a que deux élévateurs, donc il tire sur les arrières qui sont les B. Mais sur une voile à trois élévateurs, il vaut mieux tirer des C. Est-ce que tu veux que l'on C'est regarde la plus facile piste? à trouver aussi. Plus facile à trouver. Plus facile à trouver les arrières, tu Et veux oui, dire. les arrières, Ouais, ils puisqu'on sont juste a, devant c'est, sous on a les les yeux, là, mains, normalement. c'est devant nous, quoi. Ouais. Jérôme, tu veux qu'on voit ce qui s'est passé pour notre ami? J'ai perdu le prénom qui nous a envoyé un petit mail tout à l'heure pour nous montrer. Oui, on peut voir cette petite vidéo là. Ça, c'est pareil. C'est au cours d'un stage CIV, on va voir cette petite vidéo. C'est au cours d'un stage CIV, mais c'est suite à un incident de vol dans le stage CIV. C'est-à-dire que le but, ce n'était pas tirer son secours, mais c'était de faire une spirale. On va voir. Donc, il part sur de l'exercice. En plus, on a la vue extérieure. Donc, spirale engagée, ça part très fort, ça accélère. Il relâche brutalement, donc une énorme ressource. Et bim! Tombe dans sa Un voile. vrac avec une grosse fermeture, donc il ne tombe pas vraiment à sa voile, mais je pense qu'il a un gros vrac, donc il tire tout de suite son secours. Voilà, et vous avez vu la voile avec le twist et tout, donc le choix de tirer son secours c'était important vu le nombre de twists et tout. C'était difficile à. Peut-être à. Il a eu un très bon réflexe, on va dire, de tirer son secours. Il n'était pas très haut. Après, vous avez vu, c'est tout tourné, donc il n'a pas beaucoup accès à ses élévateurs. Donc là, comme tout est toronné, c'est pas mal aussi. Il a été cherché. Alors, j'ai pas écouté le son. Hein. Peut-être que ça, je crois que c'est avec Hervé Gabé. Peut-être lui dit, ben, C'est ça, essaye de prendre des exactement. suspentes au-dessus des élévateurs Et c'est pour Eric essayer de. qui nous a envoyé ça. Ok. Oui, mais le moniteur. Oui. Oui, tout à fait. Et voilà. Après son sketch, voilà. Là, il relâche tout. Ressources. Voilà, grosse ressource. Grosse fermeture. Non, il est en décrochage là. Je crois, et gros sabaté. Voilà. Donc, il y a toute une détente du suspentage. Alors, on va voir. Voilà, si vous regardez, bon, là, il tire son secours, il est en ventral. Vous avez vu, ça part tout de suite en un seul mouvement. Et là, il le Le balance bien secours, loin, hein. bah, il le jette loin en un mouvement. Regardez, tout est tauronné. Donc, c'est compliqué. Alors, il va chercher les suspentes au-dessus du tauron, ce qui est très bien. Parce que c'est sa seule manière de. Alors, est-ce que c'était indispensable ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, il va chercher les suspentes pour essayer, voilà, que la voile, regardez ce qu'elle fait, elle vient retaper, parce qu'elle cherche à revoler la voile. Donc en tirant quelques suspentes, il arrive à bien la neutraliser pour qu'il puisse avoir la descente la plus stable possible. Voilà, là, la descente est stabilisée. C'est Donc important ça c'est de pas faire mal. ça, Jérôme, hein, de ramener sa voile principale. C'est où tu dis que Alors, tu peux la laisser voler. Ça dépend des circonstances. C'est deux choses différentes dans ta phrase, Seb. C'est il faut la neutraliser, mais la neutraliser ne veut pas dire qu'il faut la ramener sur soi en boule. Hein. Il faut simplement la neutraliser. Moi, je pense que c'est mieux de la laisser loin, suspendue tendue, parce qu'elle va créer de la traînée. Donc, l'ensemble voile qui fait de la traînée plus le secours, le taux de chute doit être moins important. Si on la ramène à nous, oui, on sera vraiment que sous le secours, mais ça serait dommage. Si la voile est neutralisée et stable loin du secours, ça serait dommage de ne pas utiliser cette traînée supplémentaire. Encore, voilà. Et puis des fois, on est tellement bas qu'on n'aurait pas le temps de la ramener. Donc si tout est stabilisé, on ne touche à rien, quoi. Merci Jérôme pour ces explications. Et puis on a une petite vidéo, tu veux la Voilà. présenter maintenant? Alors cette vidéo, la plupart l'ont vue, c'est une vidéo qui est assez récente, d'un gars alors lui c'est en vol réel, hein, il veut aller voir le point de décrochage, etc., de sa voile, et en allant voir ce point, faire gaffe à ça, ce qui ferait un incident d'ouverture en fait.
Et comme voilà. tu dis, Là, le risque, c'est que le ouais. secours repasse dans le suspentage, ce qui ferait que le secours s'ouvrirait avec ce qu'on appelle une demi-coupole ou une suspente coiffante. Bon, c'est pas terrible, quoi. Et là, Et ça regardez le repasse devant lui. secours comme il remonte carrément, il le prend presque dans la tête, donc il remonte à la verticale devant lui. Et voilà, bah, tout finit bien, on va dire. Voilà. Donc là, ça montre, ça répond à quelques questions qu'on a abordées juste avant, c'est que situation réelle, le gars, le pilote, son gestuel d'ouverture de secours, et ben peut-être qu'il avait jamais fait d'hydrolienne, pas de portique, peut-être qu'il pensait qu'il fallait pas lâcher le truc, etc. Ça a finalement bien marché. Alors que si on voit le protocole de lancer, de pas lâcher, le secours qui remonte verticalement dans la voile, il y a quand même pas mal de facteurs qui font penser que ça va merder. Ben, en fait, non. Le parachute a très bien marché, quoi. Et rapidement, en fait. Une fois qu'il a lâché, il s'est ouvert rapidement. Donc, c'est pour ça que ça se passe plutôt bien, les ouvertures de secours, globalement, en réel, quoi. Donc, ça sert à quelque chose. Jérôme, on va parler de l'approche mentale là, du Oui? parachute de secours. Juste avant, quelques petites questions. Catherine qui nous demande, Catherine Garcia, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir le secours au Pila? Très bonne question. Alors, pour ceux qui connaissent pas Opila, ou même Opila, et sur tous les sites de dynamique, c'est-à-dire les vols en dynamique sur des faibles dénivelés. Donc là, la question, c'est lié à la hauteur. Alors, Opila, des fois, on peut être très haut, hein. On n'est pas obligatoirement. C'est sûr que si on est à 10 mètres sol, on a plus de chances de toucher le sol, quelle que soit la configuration, même avec un mauvais pilotage, un mauvais placement. Des fois, on vole la voile et on est entre la hauteur de la dune, on est même en dessous du relief, quoi. Hein, ça arrive. Donc, on peut dire que dans ces configurations-là, ben, le secours, il va pas servir à grand-chose, mais pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y a la hauteur, mais aussi le fait de voler dans une aérologie laminaire. Donc, il y a peu de chances qu'on ait des fermetures, sauf si on fait le con, c'est-à-dire le con, si on fait de la voltige, on va chercher hors du domaine de vol, etc. Mais bon, toutes les questions de hors domaine de vol, je ne pense pas qu'on les fasse à 30 mètres sol. L'autre truc qu'il faut se méfier sur les sites de dynamique, avec des hauteurs qui ne sont pas très grandes, on va dire en dessous de 100 mètres, c'est-à-dire les collisions en vol. Hein. Moi, je pense que ça, c'est le plus gros risque, c'est sur les sites fréquentés que quelqu'un vous rentre dedans, quoi. Et là, le secours peut servir même sur des faibles hauteurs en dessous de 50 mètres sol. Hein. Voilà. Après, c'est pareil, choix personnel, dans quelles conditions tu voles, est-ce que tu es seul sur le spot, qu'est-ce que tu fais comme type de vol, etc. Voilà. Donc. Je ne peux pas répondre à ta place, je peux juste t'orienter. Après, on peut aussi, on imagine qu'on tire son secours au Pilai qui est 30 km/h devant. Une fois que vous avez tiré votre secours, vous avez intérêt à avoir dans votre poche un coupe-sangle. Parce qu'une fois que si vous êtes au sol avec votre secours et 30 km/h devant, vous allez traverser le département du bassin d'Arcachon, quoi. Si vous n'arrivez pas à affaler votre secours. Voilà, donc il y a différents éléments à prendre en compte. Pour choisir, pour le mettre ou pas. Dans la même idée, il y a Quentin qui nous dit qu'il envisage, donc il est à La Réunion, hein, de faire le piton des neiges, donc de monter à 3000, mais je ne me vois pas me passer de secours malgré le plouf prévisible. Après tout, il y en a qui crossent depuis le piton, donc on ne sait jamais, lui ça le rassure. Il faut rappeler que pour aller au piton des neiges, c'est un marché vol. 1800 mètres de dénivelé. Ouais. Donc il y a entre 3, 6, 3 heures ou Ouais. 5 heures de marche en fonction de sa condition, donc il faut porter le sac et tout. Donc effectivement, si on peut s'alléger d'un kilo et demi, c'est une bonne idée. Mais C'est comment son prénom? Mais dans c'est sa Quentin. question, C'est Quentin. Quentin, tu as la réponse dans ta Ah, question. oui, c'est Ben, même, il fait une tu vois, affirmation là. voilà, j'affirme que de toute façon, moi, je ne m'en passerai pas. Et ben donc, ça ne pose aucun problème, tu vas porter ton secours. Après, c'est bien que tu poses cette question, puisque j'allais, en pensant au soaring, j'allais justement venir au marché vol. Si votre objectif, c'est pareil, c'est personnel et ce sont des priorités. Moi, personnellement, si je voudrais vraiment voler en montagne pour faire une montée rapide, une descente rapide en air calme, où je vais voler, il y a de grandes chances que je vole tout seul, donc on ne soit pas très nombreux, etc. Je vais mettre la priorité sur un sac petit et je vais descendre, je ne vais pas mettre de parachute de secours. Après, si je fais un marché vol,
comme tu l'as dit, du piton, où mon objectif est peut-être d'aller crosser, etc. Oui, ça sera mon matériel de crosse parce que je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas l'évolution des conditions, je vais voler dans des conditions plus ou moins turbulentes, etc. Donc là, le parachute de secours fait partie de mon matos, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est un choix personnel. Si vous êtes rassuré de voler avec un parachute de secours, mettez votre parachute de secours, hein. Ensuite, il existe, faut savoir qu'il existe des parachutes de secours à moins de 1 kg et en volume sur des volumes qui font 1 litre, quoi. Donc c'est que dalle à trimballer, hein. C'est le poids d'une bouteille d'eau, quoi. Question complémentaire de Trucmuche, Seb et Jérôme, vous avez déjà eu besoin de faire un secours hors exercice? Point d'interrogation. Alors moi personnellement, j'ai dû en faire 4 en situation réelle, rupture de suspentage, en biplace, rupture de suspentage, mais en biplace c'était sur les tests d'homologation, et en réel aussi sur des manœuvres toutes con, mais qui se sont révélées en sortie de manœuvre dans des configurations où j'étais trop bas pour en sortir, donc twister avec autorotation, donc tirer mon parachute de secours en réel, arriver sur un toit nickel. Et puis aussi sur des exercices, on avait fait des nœuds sur des suspentes et j'avais désuspenté une partie de la voile au-dessus du dur, donc j'avais dû tirer mon secours aussi. Et ça s'est toujours bien passé avec des secours classiques, ronds, il n'y a pas de problème. Et sinon, beaucoup d'ouvertures aussi en test d'homologation des parachutes de secours, hein. Parce que sinon, en test d'homologation classique sur les fermetures de voile, ou etc., j'ai pas beaucoup tiré mon secours. Mais pour les tests de secours, oui, il faut le tirer à chaque fois. Et on en a un deuxième en général, parce que comme tu testes un parachute de secours, tu peux avoir par exemple un bon taux de chute et une énorme instabilité, donc arriver fort dans l'eau. On arrive dans l'eau, hein, bien sûr, sur les tests de parachute de secours. Mais là, pour rassurer tout le monde, ce que tu expliques, c'est quand même, c'est à chaque fois des situations un petit peu particulières dans lesquelles tu as tiré le secours sur du cross ou sur du Alors vol. sur du cross jamais, c'était soit des tests en vol au-dessus du dur, donc c'est pour ça que j'appelle en situation réelle, soit en milieu sécurisé parce que le contexte était du test dans le cadre de l'homologation, soit du secours, soit des voiles. Voilà. Il n'y a jamais eu d'incident de vol qui t'ait obligé à ouvrir le secours, à interrompre un Alors vol. après en cross non, non jamais non. Donc voilà, ça peut rassurer aussi tout le monde de Voilà. dire Après, ça fait voilà, 30 ans tout que à tu fait, voles et que c'est tu n'as possible jamais de eu voler. d'incident. Mais alors, après, je dirais ce dont je me méfie maintenant, quand vous vous formez, quand vous volez, si vous volez en conditions normales, vous faites du gonflage, quoi. Quand je dis normal, c'est normal pour vous, en fait, pour chaque pilote. Si vous volez et que vous faites régulièrement du gonflage et tout, et que vous avez une formation régulière et tout, il y a peu de chances que vous tiriez votre parachute de secours. Par contre, c'est bien d'apprendre justement pour mettre dans votre case expérimentation, expérience, c'est bien de savoir comment ça fonctionne parce que ça peut vous rassurer. L'autre truc dont je me méfie plus maintenant, que ce soit en compétition ou sur les sites, ce sont sur les vols sur site où il y a énormément de monde. Là, il y a un pilote de Saint-Leu qui en parle. Par exemple, Saint-Leu, par exemple, d'autres sites où il y a énormément de monde. Il faut vraiment faire gaffe à la collision en vol. Celle-là, vous pouvez être au top au niveau pilotage, au niveau choix du matériel, de votre expérience. Quelqu'un peut vous rentrer dedans. D'ailleurs, je pense l'année dernière à Saint-Leu, il y a un pilote qui est rentré dans un biplace. C'était pas du tout prévu. Les deux, je crois, où le biplace a dû tirer son parachute de secours et arriver dans les maisons, quoi. Donc moi, c'est un truc dont je me méfie, c'est le côté, le facteur que je peux pas contrôler à l'avance. En fait, ce sont les autres. En fait, voilà, je me méfie de ça. Parce que pour moi, les actions que je fais, c'est d'essayer de me former, si c'est vraiment pourri, de prendre au niveau aérologique, prendre de la marge, etc. Peut-être pas trop appuyer. Et après, peut-être pour rassurer, parce que je sais pas aussi, je ne vole pas dans des conditions en me disant de toute façon j'ai mon secours donc j'ai une porte de sortie. J'ai jamais pensé ça, quoi. Ma porte de sortie elle est liée à mon pilotage, mon anticipation, mon analyse des conditions. Et le secours pour moi c'est le dernier recours, mais il fait pas partie de mon analyse. Voilà. Si, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre là-dessus. Je me dis pas, tiens, je vais tenter ce passage pourri ou je vais tenter cette manœuvre.
en sachant que j'ai le parachute de secours, donc je vais essayer un truc et on verra bien. Voilà, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. C'est bien ce que tu nous dis, Jérôme, et ça rejoint là ce que tu voulais aborder sur le mental et sur les croyances Tout à et fait. sur la nécessité On de. peut, on Oui. peut entendre ça, hein. J'ai déjà entendu ça de pilote. De toute façon, j'ai un secours, donc je peux y aller, j'ai un secours. Voilà, je trouve que c'est chaud dans le sens où il y a tellement d'aléas. On sait que ça marche, mais il y a quand même pas mal d'aléas qu'on ne contrôle pas quand on tire un secours. Puis ça veut dire qu'on va Que prendre un risque, on a conscience qu'on va voilà, peut-être trop loin, quoi, c'est ça, je veux dire. exactement. C'est-à-dire se reposer sur ce truc-là, je pense qu'on peut se reposer sur bien d'autres choses plus efficaces. Hein. Alors, Et pour justement sur le aborder, mental, oui, oui, dis-nous. pour aborder un petit peu sur le mental, parce que sur tous les lives qu'on fait avec Seb et tout, on se dit, voilà, si à chaque fois on peut vous donner quelques pistes, comment la préparation mentale vient là-dedans, en fait. Donc, j'ai pensé à différents thèmes sur la préparation mentale. On a parlé de croyances tout à l'heure, en fait. En préparation mentale, on travaille souvent en discutant, en accompagnant les personnes, les pilotes, etc. Essayer de déceler s'il n'y a pas des croyances et savoir si, et faire parler le pilote pour qu'il nous dise, en fait, est-ce que ces croyances vont l'aider ou pas, par exemple. Il y a des croyances, c'est pour ça que je rebondissais sur cette croyance. Il y a des pilotes qui croient qu'en dessous de 100 mètres sol, ça ne marche pas. En discutant avec lui, peut-être lui mettre un doute sur cette croyance, parce que lui faire un doute, est-ce que cette croyance va l'aider dans toutes les situations ou pas? Il y a des croyances qui peuvent aider tout le temps. Par exemple, je ne sais pas, prier, par exemple, avoir des croyances. Je rigole pas en disant ça, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut être très aidant. Donc les choses qui sont aidantes, il n'y a pas de raison de les mettre de côté pour la personne. C'est important, on garde. Les croyances qui ne sont pas aidantes, si le pilote se rend compte que des croyances ne sont pas aidantes, eh ben, il faut l'aider à les changer, à les nuancer, à leur donner moins d'importance. Donc le travail sur les croyances. Ensuite, un thème que je voulais aborder par rapport au secours, c'est tout ce qui est lié aussi aux incidents de vol, au stress, relaxation, à l'activation, etc. C'est de savoir, je m'imagine, avant un décollage, aller voler dans des conditions un petit peu plus fortes, ou même avant un décollage pour un stage de simulation d'incident de vol, où vous allez devoir faire un incident de vol volontaire ou tirer votre parachute de secours, dans quelle posture vous pouvez vous mettre pour que vous puissiez le vivre de manière la plus sereine. Donc déjà, vous posez la question dans quel état vous êtes au niveau activation. Est-ce que vous êtes très speed, à fond la caisse et vous auriez plutôt besoin de relaxation? Donc là, on travaillera peut-être sur la respiration pour baisser un peu ce niveau d'énergie. Parce que si l'énergie est trop élevée, ça va peut-être mettre le bazar dans vos actions. Vous allez pas prendre le temps peut-être d'analyser ce qui se passe. Rappelez-vous la vidéo qu'on vient de voir sur le pilote qui fait une autorotation. Donc si tout ça est bien posé, qu'il le fait bien, il peut bien vivre tous les éléments, bien vivre l'autorotation, la maintenir, décider de tirer son secours, vivre la descente sous le secours. Voilà. Si on arrive avec un max d'énergie à ce moment-là, peut-être que dès la fermeture, on pourrait tirer le secours, ou voire pas du tout, ou etc. Donc voilà à quoi ça sert. Et ça serait plutôt dans un thème de se poser, se relâcher. Et puis il y a un autre thème, si on est trop mou ou trop détaché de ce qui se passe, c'est pareil. On manquerait d'efficacité, on manquerait de percuter au bon moment, d'une bonne analyse, de lucidité. Donc là, il faudrait activer le corps avant. Donc on peut aussi activer le corps en faisant des mouvements, en respirant, etc. Il y a des outils pour ça. Ensuite, en préparation mentale, il y a aussi quelque chose dont on parle souvent, qui est un thème qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est la concentration et l'attention. Je me mets toujours comme exemple un pilote qui est au décollage avant de faire un stage, avant de faire une manœuvre d'ouverture de secours, par exemple, puisque le thème c'est le parachute de secours, c'est de savoir sur quoi il va se concentrer avant de tirer son parachute de secours. Pour chaque moment, en fait. Donc, on a vu que sur la tyrolienne, portez l'attention sur l'emplacement de votre poignet. Donc, tout ça s'apprend, en fait. Portez l'attention là-dessus.
Je vous donne un exemple d'une attention qui serait peut-être mal posée. Pardon, si la voile ferme et qu'on porte l'attention que sur sa voile qui est fermée, alors que l'ensemble tourne vite et descend et qu'on est près du sol, à un moment, il faudrait basculer son champ attentionnel sur le parachute de secours et non pas rester figé sur la voile. Donc ça s'apprend aussi de porter l'attention sur les éléments qui vont devenir prioritaires. La position de sa main, où est la poignée, le mouvement de faire la poignée, etc., les sensations qu'on a. C'est pour ça que de faire ces exercices vous permet d'emmagasiner de l'expérience. Quand on dit de l'expérience, c'est de l'expérience visuelle, c'est de l'expérience sensitive qu'on appelle kinesthésique, ça peut être le bruit, ça peut être le visuel. Donc toutes ces expériences-là, vous allez pouvoir vous en servir ensuite. Donc là, on a parlé de concentration, attention. Il y a, par rapport à ces expériences, comment on va s'en servir? C'est ce qu'on appelle la visualisation, l'imagerie mentale. Alors, tout le monde en fait, mais des fois, vous n'êtes même pas conscient que vous en faites. Je pense qu'avant un stage CIV ou de pilotage, je pense que la veille ou le matin, ça doit mouliner dans votre tête pour savoir, pour vous imaginer faire le truc, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, c'est ce qui s'appelle de la visualisation. Mais vous pouvez orienter cette visualisation. Et on oriente cette visualisation en la rendant positive. Par exemple, on peut visualiser le fait qu'on va tirer son parachute de secours, ce qu'on va vivre, etc. Visualiser ça et le visualiser de manière positive entre le parachute qui s'ouvre, la sensation qu'on va avoir, en fait, ensuite descendre sous son parachute de secours avec une posture droite et tonique, etc. Tout ça, vous pouvez l'imaginer. Alors, pour l'imaginer, vous avez deux possibilités. Soit vous l'imaginez vraiment, vous n'avez aucun repère. Soit il existe des vidéos, c'est pour ça qu'on vous en a montré quelques-unes. Donc choisissez des vidéos qui marchent bien. Par exemple, le gars là qui fait l'autorotation, qui tire son secours et tout. Vous avez d'excellentes images qui peuvent faire partie de votre banque de données d'images positives. Donc vous pouvez voir ce truc-là plein de fois et pour tout décomposer et emmagasiner cette image. Et après, il y a d'autres techniques en visualisation. Vous pouvez même vous mettre à la place du gars qui fait la manœuvre. Au début, vous le regardez de l'extérieur et après, vous pouvez vous mettre à la place du gars qui fait pour vraiment vivre ça. Comment on peut aussi emmagasiner une expérience? C'est la tyrolienne, le portique où vous avez déjà fait un stage avec une ouverture en milieu sécurisé d'ouverture de secours, de secours. Là, en étant accompagné, de manière théorique, on va dire, en discutant, vous allez pouvoir revivre complètement ce qui s'est passé, même si vous en rappelez plus, mais votre cerveau a tout enregistré, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu. Tout ce truc-là est dans votre cerveau et le truc, c'est en vous questionnant, en vous accompagnant, vous allez ressortir ça et ça va vous permettre ensuite de faire une visualisation qui est très complète, on va dire, très riche avec tout ce que vous avez ressenti. Et cette visualisation, cette imagerie mentale, en fait, va vous permettre d'être beaucoup plus serein et de vivre par anticipation quelque chose qui pourrait vous arriver ou pas, mais au moins d'avoir ce bagage avec vous, et c'est très très puissant. Et le dernier truc, et ça on en parle assez régulièrement, c'est le dialogue interne, en fait. Ce que vous vous racontez, je m'imagine pareil, vous êtes sur la ligne droite avant d'aller sur le plan d'eau, vous êtes en train de monter Entre-Œil, mais ça va être un moment à vous de y aller, en fait, de faire l'action. Là, on peut se dire, se raconter un truc et de manière positive. Ça peut être à voix haute, le verbaliser, dire voilà, je vais faire ça. C'est-à-dire, vous pouvez très bien raconter votre protocole à voix haute avant de le faire, et puis mettre des choses autour de ça qui vont vous donner confiance, qui vont vous donner la patate pour le faire, qui vont vous rassurer, etc. Donc par des mots. Alors tous ces mots-là, quand on dit dialogue interne, ça peut être par exemple, eh ben voilà, je sais faire, je vais être capable de faire ça, je vais commencer par ça, ensuite je vais faire ça, ça, ça. Mais après, chacun va raconter à des mots qui lui sont propres, qui lui parlent, etc. pour un dialogue interne qui est positif pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue interne type, en fait. Chacun utilise les mots dont il a besoin et qui lui parlent. Voilà, je voulais aborder ces quelques thèmes en préparation mentale qu'on utilise ou qui peuvent être en lien avec le parachute de secours, les incidents de vol, etc.
C'est intéressant, Jérôme, parce qu'il faut le rappeler, et tu le rappelles souvent, que le parapente, c'est un sport éminemment mental, hein, basé sur Tout le à fait. mental. C'est Voilà. pas, c'est C'est pas, pour ça, voilà. voilà. On Il y a est des très gestes bon, techniques, mais voilà. On peut c'est pas être le très bon physique. en technique, on peut apprendre, on peut être très bon en forme physique, hein, c'est ce qu'on apprend, on peut être très bon en tactique, etc. Par contre, le côté mental est délaissé. C'est pas qu'il est délaissé, c'est qu'il est en train d'arriver de manière par plusieurs biais, en fait, dans les formations, que ce soit des formations dès l'initiation, hein, c'est pas que pour le haut niveau. Et je pense que l'enseignement est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et je profite de ça aussi pour dire que quand on se forme maintenant, l'idée, ça serait que le moniteur, l'instructeur, la monitrice et tout est à côté du pilote ou. Qui vient se former pour l'accompagner. C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de travail au pilote maintenant. Ça serait là, il faudrait tendre vers ça. C'est-à-dire que le pilote prend plus la main dans sa formation, dans le sens où il est plus à même de savoir ce dont il a besoin, et le moniteur ou la monitrice va l'accompagner là-dedans, plutôt que ce soit un enseignement qui ne va que dans un sens, c'est-à-dire du moniteur. Ou de la monitrice vers le pilote et le pilote ne fait que répéter ou subit ça et quelque chose qui est peut-être moins lié à ce dont il a besoin. Voilà. Des idées comme ça, mais ça évolue comme ça et ça, c'est ce qu'amène l'approche mentale en fait. Et c'est Donc mais ça intéressant. demande plus de boulot au pilote, hein. Oui. C'est-à-dire que le pilote ne peut plus non plus se reposer que sur ce que dit le moniteur. On m'a dit ça, on m'a dit ci, on m'a dit de faire ça, etc. Ça, petit à petit, ça va plus être tout à fait comme ça, hein. Ça aurait tendance à dire, voilà, j'ai besoin de ça. Comment tu peux m'amener à ça? Ce qui est hyper intéressant, et justement, et toi, bientôt, tu proposeras des choses avec ton DU mental, déjà de préparation mentale. Tu es préparateur mental et tu peux apporter des choses à des gens qui sont dans l'attente, la peur, avec des croyances, Plein de etc. choses, voilà, Voilà. c'est préparation mentale et aide à la performance, ça se fait très bien aussi en visio, sur des séances d'une heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart, voilà, qui permet de débloquer certains trucs et d'amener des outils qui sont propres aux pilotes. Et vous avez peut-être vu le direct FFVL il y a 2 jours avec Delph aussi, qui a abordé Avec Delphine Pille, voilà. avec Delphine Pille, qui a abordé aussi cette approche mentale, aussi bien pour le pilote, mais aussi pour le moniteur. Voilà, donc tout ça, c'est en train de bouger, d'avancer, etc. Et c'est sûr que c'est des gros trucs, ça avance tout doucement, mais ça, c'est très bien. Et il est sur la page de Wingmaster sur Facebook, Voilà, vous pouvez le le revoir live, en rediff. et Ça, voilà. voilà. Et sur la page de la FFVL aussi, vous pouvez aller voir ce direct. Et il y en aura d'ailleurs deux autres la semaine prochaine que j'aurai le plaisir d'animer également. Tu fais des infidélités à Jérôme. Jérôme, des questions encore qui sont intervenues là depuis tout à l'heure. Il y en avait pas mal en stock. Pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, Jérôme, il le fait à chaque fois. Il prend du temps et il va sur Facebook et YouTube pour répondre aux questions qui sont posées directement. Donc n'ayez pas peur, on va répondre, enfin Jérôme répondra à toutes les questions. Une question, combien de temps, alors voilà, il y a plusieurs questions sur combien de temps on peut garder le même secours et quand est-ce qu'il faut le vérifier. Une autre question qui dit, que peut-on dire sur le vieillissement du secours? Un instructeur fédéral près d'Alvar m'a dit qu'un secours avait une longue vie. Qu'en penses-tu? Une longue vie, tout dépend ce que veut dire long, quoi. Alors certains longs, c'est 5 ans et d'autres, c'est 25 ans. Alors, pour les secours, c'est sûr que maintenant, quand on peut trouver des secours qui ont plus de 10 ans et tout et qui fonctionnent très bien, qui sont très classiques, en général, les secours qui datent un petit peu maintenant, c'était plutôt des secours qui étaient assez, on va dire, costauds, grosses suspentes, assez volumineux et tout. Donc même des anciens secours, s'ils ont été bien stockés, pas abîmés, on va dire mécaniquement, pliés régulièrement et tout, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si vous avez un doute, au-delà de 10 ans, vous pouvez les faire contrôler. Vous demandez déjà si un contrôleur accepte de le faire et qu'est-ce qu'il peut vous proposer. Vous pouvez aussi demander à la marque.
tel modèle, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà, ce secours a 12 ans, il n'a jamais servi. En tout cas, vous pouvez déjà le replier, etc. et voir s'il y a des configurations sur lesquelles il faudrait aller mettre son nez dedans. L'autre truc, en parlant là, je pense à un truc, c'est qu'il y a un truc qui est là depuis une dizaine d'années, c'est les parachutes ultra light avec des matériaux qui ne sont plus du tout les mêmes, avec des suspentes qui ne sont pas élastiques, des tissus qui sont beaucoup plus fins, etc. Puisque là, les objectifs étaient faible volume et tout. Donc là, je ne sais pas ce que préconisent les constructeurs. Il faut leur demander directement, par exemple, un secours ultra light à 950 grammes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans 10 ans s'il n'a jamais servi? Est-ce que ça se révise ou pas? Voilà, ça, il faut demander. C'est un truc nouveau, hein, sur l'ultra light. Ensuite, sur la durée des secours, il y a aussi une durée, on va dire, administrative. C'est-à-dire que dans les clubs, par exemple, au-delà de 10 ans, on demande du matériel dans les clubs d'être changé, par exemple, pour les secours, tous les 10 ans, quoi. Voilà. Mais ces secours, s'ils n'ont jamais servi, ils peuvent avoir une seconde vie avec des pilotes, etc., en pratique personnelle, quoi. Voilà, je crois que j'ai abordé un peu les mêmes trucs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de la marque du constructeur si vous avez un doute, si votre secours est très vieux, soit un contrôleur, savoir ce qu'il en pense. Il a déjà été touché un parachute de secours qui datait, s'il a été mettre le nez dedans. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des stages de tyrolienne, nous demande Célia, proposés par la FFVL dans des structures agréées, par exemple? Comment on peut se Alors. renseigner? Alors le truc, Célia, c'est de te rapprocher. Il faut que tu demandes autour de toi, c'est-à-dire que par rapport à l'endroit où tu voles, les clubs. Alors il peut y avoir, ça peut être fait soit en club. Alors pour avoir des tyroliennes, il faut avoir du matos, hein. Vous avez vu les vidéos de tyroliennes. Ça se fait pas juste sur une corde et tout, parce qu'il faut qu'il y ait du dénivelé, il faut qu'il puisse avoir de l'espace, de la vitesse obtenue sur le truc. Donc c'est pas un truc qui est fait comme ça à la va-vite. Il faut que ce soit un truc. Donc après, faudra peut-être que tu te déplaces vers des sessions de tyroliennes qui peuvent être faites soit par des clubs, soit par des écoles. Voilà, j'en ai pas en tête comme ça dépend vraiment d'où tu es. Donc tu pars autour de chez toi, puis tu vas agrandir jusqu'à te déplacer un week-end ou une journée s'il y a la possibilité de faire sur tyrolienne. Sarah du Nurchi qui te demande, peut-on accrocher un secours ventral juste sur les mêmes mousquetons que la voile, sans liaison aux épaules? Oui, on en a parlé aussi, ça bien sûr. Les élévateurs de secours, tu peux les mettre directement sur les maillons. Alors, ce que ça va impliquer, c'est par exemple quand tu t'harnaches, en fait. Si suivant l'orientation de tes maillons, si ça, voilà, des petits détails, c'est-à-dire que si ta voile est déjà accrochée, que tu accroches ton secours avant de décoller, si tu fais ça, c'est-à-dire que l'ouverture des mousquetons seront côté élévateur du secours, donc c'est pas idéal. Donc il faudrait mettre les secours dans l'autre sens pour que les élévateurs de secours soient sur le côté lisse du mousqueton, si tu mets des mousquetons. Donc si tu fais ça veut dire qu'il faut décrocher ta voile et l'accrocher après le secours. Ce sont des petits détails, mais si tu fais, tu verras, ça va te sauter aux yeux. L'autre truc, ça serait de laisser le secours attaché à ta sellette et d'enfiler ta sellette. Et d'accrocher ta voile où elle reste accrochée, où tu l'accroches après. Voilà. Ou d'utiliser par exemple des maillons rapides à vis aussi qui permettent, voilà, il y a moins le problème de la fermeture avec le mousqueton automatique, avec le doigt en fait qui bouge. Voilà des petites nuances comme ça, mais c'est possible. Alors ça, peut-être que la question, la deuxième, ça serait est-ce qu'il vaut mieux pas mettre un deuxième mousqueton à côté de celui des élévateurs de la voile principale et d'accrocher son secours là-dessus. Là, c'est possible. Le truc, c'est que la sellette, en fait, la boucle au niveau de la sellette n'est pas faite pour travailler en arrachement, en fait. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux mettre le secours sur le même maillon. Merci Voilà, Jérôme. j'espère avoir répondu à ta question. Et ce qui est important, là, c'est que le secours soit le mieux solidaire de ta sellette, quoi. Sur la ventrale avec une petite sangle ou quelque chose pour éviter ce qu'on a vu sur la tyrolienne, c'est-à-dire un mouvement qui fait venir ton secours, mais tu n'arrives jamais à tirer sur la poignée. On a une question qui est intéressante là de Antoine. Enfin, les autres questions étaient intéressantes aussi, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais un secours qui a servi dans un gros vrac, vaut-il mieux le changer par un neuf? C'est une bonne question. Ben,
Je dirais aucune raison de le changer si ton secours a bien fonctionné et tout, etc. Même sur un gros vrac, hein, t'es loin d'atteindre des vitesses importantes. Après, il faudrait voir le type de vrac, tu n'as pas fait de chute libre. Ensuite, s'il a bien marché, ben garde-le, hein, c'est peut-être un bon, il est super ton secours. Et ensuite, pourquoi le changer? Ben si, par exemple, c'est plutôt si tu arrives au sol ou suivant ce qui s'est passé à l'ouverture, peut-être qu'il y a des éléments qui font que ton parachute a été abîmé. Par exemple, au sol, s'il a frotté, etc. Si tu as le moindre doute, tu peux aller le faire contrôler, mais surtout toi, quand tu vas prendre ton secours, que tu vas le replier. Tu peux regarder visuellement, faire un contrôle visuel qui est très efficace. Après, au niveau des suspentes, soit tu as des suspentes, des secours qui datent un peu avec des grosses suspentes qui sont plutôt élastiques, donc elles qui vont absorber sans problème énorme beaucoup de déformations. Et d'autres, si tu as des suspentes qui ne sont pas élastiques, alors soit peut-être il y en a qui peuvent péter ou pas, donc si elles pètent, c'est pas compliqué, ben, tu changes. Si elles pètent pas, j'en sais rien. La question est bonne, dans le sens où je n'ai jamais trop posé la question. Moi, si ça m'arrive, ça, suivant ce qui s'est passé, je vais avoir envie d'aller mettre le nez dans le secours ou je vais juste le replier et puis le remettre Bon, s'il a atterri dans les dans arbres ma et tout sellette. déchiré, Voilà, effectivement, exactement. il faut le regarder, quoi. Ça se fait, ça se Regarder. contrôle, hein, de toute Et façon, un sinon, secours. voilà, ça se contrôle. Peu de pilotes, on contrôle peu nos secours, hein, il faut savoir ça quand même. Moi, j'ai jamais fait contrôler des secours dans ma vie de parapentiste, mais ça peut se faire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, si un truc comme ça m'arrive, c'est soit le secours a bien marché, il n'y a rien eu d'extraordinaire, de particulier, ben, je vais le replier, je vais le réutiliser. Soit, comme tu dis, je suis arrivé dans des arbres ou quoi, le parachute est abîmé, je peux le faire réparer. Voilà. Mais après, le changer juste parce que. Alors, quand on achète un parachute de secours, ce n'est pas des parachutes de secours qui sont faits pour une ouverture. Hein. Ce n'est pas un airbag, par exemple, c'est pas un airbag de voiture. Alors, il y a des airbags aussi qu'il faut faire vérifier. Un airbag de sellette, par exemple, ça, si vous avez eu un gros choc dessus, il faut peut-être aller mettre le nez dedans, vérifier si l'airbag, les coutures, il n'y a rien qui a pété, quoi. Sinon, il marche plus. Allez Jérôme, on va attaquer la dernière ligne droite, encore une ou deux questions, et puis il va être temps d'aller souper. Hein, Allez, et souper. Oh. qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand on achète un secours, nous demande Vincent, faut-il comparer la longueur du cône de suspentage avec celle de notre voile? Non, ne vous prenez pas la tête, faites simple. Achetez votre parachute de secours, homologué, vous soyez dans la fourchette de poids. Alors, un truc qui va arriver, on fera un live sûrement là-dessus. J'ai discuté avec Marc Boyer qui moniteur à Soaring et tout, et ils ont avec le labo de test FFVL, ils ont fait toute une campagne de tests sur des secours pour justement essayer d'aller vérifier de manière vraiment concrète en ouvrant les secours en réel, en vol au-dessus, en milieu sécurisé, vérifier les plages de poids, les différences si on est en bas, en haut, vérifier justement les longueurs de suspente par rapport aux parapentes, etc. Parce qu'on va dire que l'idéal serait que la longueur du parachute de secours s'ouvre en dessous du bord d'attaque du parapente. Une petite remarque là-dessus, ça marche même s'il s'ouvre dessus. Si vous regardez, on n'a pas mis beaucoup de vidéos d'ouverture. Et bien, si vous regardez les ouvertures sur les deux, trois vidéos qu'on a passées, notamment celui avec la voile sur autorotation, quand vous regardez l'ouverture de secours, la longueur du secours est plus longue que celui du secours, de la voile principale et ça marche très bien. Sachez aussi que si vous avez, je vous donne un autre exemple pourquoi cette question, parce que si je te dis, il va falloir que tu vérifies les longueurs de secours, tu vas te dire, est-ce que je prends la longueur des élévateurs? Comment je mesure? Je ne sais pas la longueur, donc il va falloir que tu compares au sol. Ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre. Et si par hasard, qu'est-ce que tu fais si les longueurs du parachute sont un petit peu plus longues que le secours? Est-ce que tu te fais rembourser ton secours? Je ne pense pas. Pourquoi on pose cette question? Parce qu'il y a 15 ou 20 ans, il y a une image qui est sortie d'un gars en CIV où il a tiré son parachute de secours et le secours est venu se bloquer juste au niveau du bord d'attaque comme ça, il s'est jamais ouvert, le gars posé dans l'eau, voile ouverte avec le secours bloqué. Et de cette image,
il en a découlé que, attention à la longueur des parachutes de secours, mais je crois que j'ai jamais vu des images ou entendu dire que ça s'était reproduit de cette manière, donc que la longueur de suspente des secours était à ce point très précise. Sinon, le constructeur de la voile te dirait, voilà, tu peux utiliser ce secours avec telle longueur de suspente. Si c'était, il te laisserait pas, toi, la démarche pour vérifier ça. Ensuite, imagine, tu as une sellette avec ton parachute de secours. Tu vas faire un vol en crosse avec ta voile qui fait plus de 8 mètres de suspentage. Et puis après, un autre jour, tu vas avec d'autres potes. Tu as une mini-voile, par exemple, où tu vas en montagne et tu dis, je descends en mini-voile, je prends ma sellette et mon secours. Donc tu vois, tu auras le même secours avec deux cônes de suspentage qui vont faire 2,50 m d'écart. Tu vas pas avoir un secours pour chaque voile. Tu vois. Donc tu vas utiliser les mêmes et ça marche. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Pas trop se prendre la tête là-dessus, quoi. Il y a d'autres éléments bien plus importants. Une dernière question, Jérôme. Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel secours dans un compartiment ventral, si le volume du parachute et le compartiment ventral sont OK? Ben a priori, oui, tu peux mettre un Rogallo, tu peux mettre un carré, un rond, un light, un pas light. Ce qui est important, c'est que tu puisses mettre ça dans ton container, hein. Et c'est sûr que maintenant, quand vous choisissez votre container ventral, il faut que ce soit adapté, ou il faut se poser la question du secours que tu vas mettre dedans, hein. Si tu as un secours qui est volumineux, qui est énorme et que tu achètes le super petit package container minuscule, ça ne rentrera pas dedans. Donc il faut que les deux soient en adéquation, c'est sûr. Jérôme, merci. On a passé une soirée ensemble sur le parachute de secours assez exceptionnel. Il y a encore pas mal de monde qui est là, malgré l'horaire déjà tardif. Quelqu'un va devoir faire cuire son magret. C'est Célia qui doit aller faire cuire son magret. Ah Elle a oui. dit, il faut arrêter maintenant. Je vous rappelle, regardez ces superbes affiches. Eh oui. Wingmaster, la On dune parlait du de la dune, Pila. justement. Eh, on en parlait, regarde, voilà, on vole bas sur la dune. Superbe affiche, c'est dans un super papier qui est grammé et qui est tissé avec du lin. Enfin, la qualité est super chouette. On a la dune du Pila, on a à côté de toi, ouais, Jérôme, on voit super bien celui qui est montagne. Là, alors là, c'est écrit Wingmaster, il y en a deux modèles. Il y en a un Increase Your Avec Skills et puis l'autre, c'est I Can Fly. On a la Réunion, la Réunion, elle est vraiment sympa et j'y étais là il y a quelques jours et c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'y être C'était là. ça, C'est ouais. Exact. vraiment très chouette. D'ailleurs, il est affiché chez moi là-bas derrière. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site wingmaster.top pour aller retrouver nos affiches. C'est en série limitée, il n'y en a pas beaucoup, il en reste très peu et je vais vous faire gagner une dune du Pila ce soir. Parmi tous les commentaires, tous les petits coucous et les bonjours, on va tirer au sort et une personne repartira, ne repartira pas, elle restera chez elle et on lui enverra cette superbe affiche dune du Pila. Donc allez voir sur le site Wingmaster, il n'y en reste pas beaucoup. Bon, il y a une nouvelle série qui va ressortir après avec d'autres choses un petit peu différentes, mais vous pouvez aller voir. Et puis je vous rappelle que Wingmaster, si vous ne connaissez pas, eh ben, c'est une masterclass, c'est la masterclass de Jérôme. 2 ans de travail pour réaliser cette masterclass, il y a 11 heures de vidéo, il y a toutes les techniques du parapente expliqué par un pro et que c'est les techniques de Jérôme, hein, c'est pas les techniques universelles pour voler en parapente, c'est ces techniques de pro sur les décollages, les atterrissages, les approches, voler dans du vent, enfin etc. Il y a tout, bien prendre des ascendances, le marcher-vol, enfin il y a plein de techniques, vraiment c'est une encyclopédie en images, il n'y a que de l'image, c'est sur wingmaster.top, c'est pas un abonnement, c'est vous l'achetez, c'est à vie, c'est pour vous. Et on va d'ailleurs changer le Wingmaster, la façon d'aborder les choses, vous le verrez dans quelques jours, on est en train de créer une communauté et une façon de visionner plus simple et plus efficace votre masterclass et puis des nouvelles vidéos qui arriveront bientôt. En tout cas, on essaye d'améliorer le produit voilà, pour vous faire plaisir aussi. Et puis, il y a ces lives qui sont revenus pendant le confinement. Et puis, c'était l'hiver de toute façon. Je pense qu'on aurait repris même sans confinement. Et on va en refaire assez régulièrement désormais et aborder tous les thèmes. N'hésitez pas à nous mettre aussi les thèmes.
thèmes que vous voudriez voir abordés, nous envoyez aussi un petit mail. Et voilà, et Jérôme va répondre aux questions qui n'ont pas été répondues, parce que la question, elle est bien répondue. Mais évidemment, Jérôme, voilà. Il faut le savoir. Tout à fait. Voilà. Et l'abonnement reste valable, nous demande Hubert. L'abonnement de Wingmaster reste valable à vie. Voilà, une fois que vous avez acheté Wingmaster, c'est à vie. Vous êtes avec nous. Une remarque, je reçois, je reçois des messages en perso de temps en temps où des pilotes n'arrivent plus à se reconnecter sur Wingmaster. Ouais. Alors souvent, n'hésitez pas à laisser un message à envoyer un mail, oui, tout à fait. En général, ils vous renvoient le protocole, c'est juste que vous avez peut-être oublié vos... Bah, ça passe par Vimeo. Vimeo est un système qui est propriétaire, qui est assez chiant. Alors, c'est très protégé pour nous, c'est intéressant. Ce qui est chiant, c'est que des fois, il faut se reconnecter. Voilà. Mais ou utiliser le navigateur Mozilla, parce que si vous utilisez un autre navigateur, ça peut ne pas fonctionner. C'est une histoire de cookies, etc. Donc, voilà. Ne restez pas dans votre coin sans vous connecter. Vous envoyez tout de suite un mail sur le site wingmaster.top par le contact, et Seb, qui est connecté 24/24, il répond des fois avant que la question arrive. En tout cas, merci. Avec Masterclass, j'ai modifié des mauvaises habitudes petit à petit, nous dit Martial. On est très content de ça. Et voilà, et les lives sont aussi là pour ça, pour répondre à vos questions. Et encore plein de nouvelles choses. Encore prochainement. Jérôme, une petite conclusion sur le parachute du secours, sur dédramatiser tout ça et démystifier. Oui, voilà, le truc, c'est vraiment de dédramatiser, que ça fasse partie de votre truc. N'hésitez pas. Entourez-vous de gens qui connaissent un peu, que ce soit des pilotes, des pros, dans des clubs, etc., pour vraiment sortir ce parachute de secours. En plus, c'est la bonne période pour le replier dans votre maison. Je voulais dire, oui, il y avait une question qui était, c'était en lien avec le parachute de secours et le Stashiv. C'était, est-ce que c'est nécessaire d'aller faire ça suite à un incident, suite à une peur, etc. Alors, tout ce qui est Stashiv, pilotage, ce n'est pas obligatoirement la bonne solution si on s'est fait peur pour ne pas avoir peur, aller sur un Stashiv. Par contre, sur le parachute de secours, peut-être pour vous rassurer un peu, je rebondis sur la petite vidéo où on a vu où les deux pilotes, celui qui fait l'ouverture volontaire, le fait sur une autorotation. Vous avez vu que ça débaroule quand même pas mal. Alors, sachez qu'on peut faire une ouverture de secours en vol droit exactement comme sur la tyrolienne, où on est en vol droit en milieu sécurisé, on est la voile bras haut, on lâche tout, on tire son secours, on a le temps de le faire, on le lance et on vit vraiment presque au ralenti ce qui se passe, bien que ce soit en réel, et ça évite de se faire déboîter un peu entre guillemets sur une autorotation qui peut... Il n'est pas obligatoire d'ouvrir son parachute de secours sur une autorotation. On peut l'ouvrir en vol droit pour une première expérience. Voilà. C'était pour vous rassurer, pour pas que ces images vous aient impressionné. Merci. Le but est d'apprendre. C'est ça. Et de gonfler son bagage d'expérience. Et pour répondre à la question où on demandait si Jérôme tu avais déjà ouvert, et je ne sais plus comment la personne qui nous a demandé en me demandant également, et il était déçu, je donne pas de réponse. Ah non, oui, moi je l'ai jamais ouvert, et ça a failli une fois. J'ai volé et je suis parti en hélico sur une mauvaise entrée dans une ascendance. Ça c'était à La Réunion et j'étais pas très haut, et j'ai pu grâce à Wingmaster et grâce au conseil de Jérôme me souvenir que c'était quand il se passe quelque chose, surtout ne rien faire. Et donc je me rendais compte que ma main était trop basse, donc ne rien faire ça veut dire relever les mains, et la voile s'est réouverte et l'hélico s'est arrêté et j'avais pas de secours, et je me suis dit qu'à partir de ce moment là je volerais toujours avec un secours pour me rassurer. Et puis une autre fois cet été où j'ai fait une fermeture pas très haut juste après un déco parce que je suis passé derrière un relief soulevant, et j'ai deux secondes hésité à s'il fallait que je sorte le secours ou pas, parce que je partais en rotation, mais la voile s'est rouverte tout de suite. Donc voilà, mais effectivement, il y a un côté psychologique, comme tu le disais, Jérôme, de on a le secours, voilà, ça nous rassure. J'ai fait plusieurs fois le piton des neiges au début, et en étant jeune parapentiste, sans secours. Il faut savoir aussi que maintenant, quand on apprend le parapente, quand je dis maintenant, c'est dans les 10 ans,
c'est assez global, c'est une grande période. Quand on apprend maintenant, le parachute de secours fait vraiment partie de l'activité. Il y en a des parachutes de secours de plus en plus légers, petits, etc. Donc, on va dire qu'il y a moins en moins de raisons de ne pas l'avoir. Moi, j'ai volé quand il y a longtemps, le parachute de secours n'était pas utilisé en parapente, il n'existait pas, il existait en delta. Donc, nous, on a dû se forcer à mettre le parachute de secours puisqu'on volait sans parachute de secours. Et puis maintenant, ça fait partie de l'activité. C'est pour ça qu'on a j'ai des questions auxquelles je n'avais jamais été confronté, c'est-à-dire, par exemple, de dire, moi, moi personnellement, j'arrive à définir la situation dans laquelle je ne vais pas mettre mon secours ou je peux ne pas le mettre pour aller voler. Par contre, ce truc-là est très décalé par rapport à la plupart des pilotes maintenant qui me disent, ah non, non, moi, je vole avec mon secours, quoi. C'est-à-dire que la question de ne pas le prendre n'apparaît plus, quoi. Allez Jérôme, il faut laisser Célia tranquille maintenant. Il y a le Oui, magret là qui il est en train de va. cramer. Ouais. Ah mais où il cramait, où il y en a qui nous accusent de ne pas aimer le magret parce que on Si, si, libère on en pas mange là. là. On Oui, adore oui. le magret, donc on va Peu arrêter et puis cher, les canards, peu cher. C'est obligé. Allez, on passe tous au magret. Bon magret à tous, nous dit Sylvain. Et ben bon magret et bonne soirée. Merci de nous avoir Merci, c'était suivis. super. À C'était bientôt. très intéressant, Jérôme, encore, et merci pour tous tes conseils. Vraiment, merci d'avoir pris le temps. On n'a même pas fini sur la petite musique que j'avais préparée. Bah La... oui. J'avais Ah bah préparé oui, une petite avec toute réunionnaise. l'affiche. Attends. Voilà. C'était avec les images de la Réunion. C'est pour ça. Eh oui. Attends. C'est le Maloya. Alors regardez, il faut l'affiche à Et la maison avec la musique. Et le un petit rhum. tiponche. Hein. Ah, il y a un Moi petit j'ai un punch. tiponche dans un grand godet, ben Ouais, sur voilà. 2 heures, bah, la dose de 2 heures. Allez, bonne soirée à tous. Nous, on est parti pour la nuit avec Jérôme sur le Maloya. Allez. Les filles.